Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus. Michael, le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir tout le monde. Tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Je vais bien, oui. Oui, j'ai lu le livre de David. Mais justement, notre invité qui est médium et que nous recevons ce soir, qui est David Fontaine. Bonsoir David. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de te recevoir David, vraiment. Merci beaucoup. Merci, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir de partager cette interview ensemble. Et en plus, un Normand, je ne vais pas faire de la pub, mais quand même, il faut le dire. Attends, moi je suis Normand. Exact, voilà. Exact, nous sommes voisins. Exactement. Nous sommes voisins. Voilà. Je remercie Aline aussi, parce que c'est grâce à Aline Peugeot qu'on se connaît. Tout à fait. Des gros bisous, Aline. Des gros bisous. Parce que c'est super vacances. Hein. Elle a du soleil, ça me dégoûte. Ah oui, c'est vrai. Elle t'as raison. C'est vrai. Mais je pense qu'elle va écouter, tant mieux, ça fait plaisir. Ouais. Nous, on est au mois de juin, on est de la flotte. Il fait 13 degrés. Ah, ici, c'est vrai que c'est pas top. Ouais, elle a raison. Hein. Voilà. Alors, David, toi, tu as sorti un livre, là, il n'y a pas longtemps, hein, en janvier 2024, Découvrez vos pouvoirs de médium. Exact, voilà. Tout à fait. Donc, un livre, le sixième, déjà, et surtout chez Larousse. C'est ça. Ça peut paraître complètement étonnant, puisque Larousse a aussi un intérêt. Alors, ils ont plusieurs secteurs, hein, Larousse, évidemment. On les connaît beaucoup pour les dictionnaires, pour les livres d'école, etc. etc. Mais oui. Ils ont aussi une branche qui s'appelle Larousse Pratique. Et ils avaient déjà commencé une collection, donc, avec un premier livre qui était sorti il y a 2 ans, qui s'appelle « Découvrez vos pouvoirs de guérisseur ». Alors, attention avec le mot pouvoir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de monde. Le mot pouvoir, c'est je peux, j'ai la possibilité. Ça a été mis dans ce sens-là. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir. Nous ne sommes pas des X-Men et des super-héros. Promis, je n'ai pas de collant. Même si vous ne voyez pas, je n'ai pas de collant. J'ai une gaine parce que j'ai du ventre. Non, je déconne. Mais, non, il n'y a pas de super-héros. Nous sommes comme tout le monde et nous avons juste une sensibilité un peu différente qui nous permet de passer en état modifié de conscience et de capter l'invisible. Mais c'est bien que tu le dises, David, je te remercie, parce que tu sais, quand tu lis le titre « Vos pouvoirs de médium », évidemment, tu as des gens tout de suite qui veulent absolument être médium, qui vont se dire « Ah bah ça y est, quand on a fini le bouquin, on a un diplôme, on est médium ». Mais c'est pas comme ça que c'est ça marche. C'est ça, quoi. Et surtout pas. Nous, dans les ateliers qu'on propose, sur toute la France, vraiment, sincèrement, notre travail, c'est d'expérimenter les capacités. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre aux personnes de comprendre comment la médiumnité, de façon scientifique et rationnelle, est étudiée aujourd'hui, basculer en état modifié de conscience et ensuite aller travailler les différents canaux, à savoir la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti ou la clair-connaissance, suivant le type d'intelligence des personnes. C'est-à-dire qu'on fait des tests vis-à-vis du type d'intelligence. Par exemple, quelqu'un qui aurait une intelligence kinesthésique, c'est-à-dire qui a tendance à marcher moi, je sais que j'aime bien marcher quand je suis au téléphone ou en conférence. L'intelligence kinesthésique, le premier canal qui va se développer au niveau psychique, ce sera le clair ressenti. Voilà. Quelqu'un qui va avoir une intelligence plutôt visuelle, par exemple, pour les auditeurs, si on dit, imaginez la superbe glace au chocolat sur laquelle je mets des noix de pécan avec un petit coulis de caramel, si vous avez l'image, on sait que c'est la clairvoyance qui va se développer en premier. Voilà, c'est l'intelligence visuelle. Donc, suivant notre type d'intelligence, il y a tel ou tel canal de perception qui sera beaucoup plus sensible et qui se développera en premier. D'accord. D'ailleurs, le sous-titre, c'est quand même « Apprivoiser ses compétences naturelles ». Exactement. Oui. Merci, Caroline. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est inné, c'est en chacun de nous. Et puis, ça se développe ou non. Et dans les ateliers que nous proposons, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir forcément de résultats. Et puis, il y en a qui ne pensaient pas avoir de résultats et qui en ont. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas devenir les gens médiums. Ça n'est jamais arrivé. Mais si les prédispositions sont déjà là, effectivement, ça se met en place, tout simplement. D'accord. Alors, David, écoute, je suis tellement à l'aise qu'on en a oublié de donner le chat pour les auditeurs. On est entre nous, tu vois, on discute, on est bien. Mais quand même, si des gens veulent nous écrire, vous le pouvez. Hein, voilà, n'hésitez pas. Alors, Caro, je te laisse expliquer. Voilà, donc faites comme Frédéric Carello qui est sur le chat. Ah, c'est Christelle sympa. Lejeune. Ah, il y a Fred. Oui, oh, il est là. Bisous, Fred. Voilà. Bisous, Fred. Qui va bientôt passer, d'ailleurs. Oui. Début juin. C'est un amour. C'est une très belle rencontre lors du festival, mon Fred. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Ça fait plaisir. Oui. Mais il est souvent sur le chat, tu sais, il écoute beaucoup les émissions, Fred. Donc ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà.
Et donc, il y a Il y a d'autres personnes. Alix, Freddy, Tess, Sabine. Donc, on vous attend nombreux pour poser vos questions à David sur la médiumnité. Donc, sur l'adresse suivante, tlk.io/radio-du-lotus, tout attaché, tlk.io/radio-du-lotus. Voilà. N'hésitez pas. Alors David, par rapport à ton livre, j'aimerais bien savoir, toi, donc avant de le créer, quel était, c'est-à-dire le but de créer ce livre-là? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Parce que moi, je le trouve très très accessible à tout public. Alors est-ce que c'était vraiment ton intention? Voilà, c'était un condensé de la médiumnité. T'abordes plein de sujets dedans, mais accessible, quoi, vraiment. Tout à fait. On a essayé avec Anne, que je salue, qui est la plume qui m'a aidé à structurer, à écrire ce livre, puisqu'elle a également aidé sur le premier livre, enfin, Découvrez vos pouvoirs de guérisseur. Donc Anne, elle a vraiment été là pour structurer, connaissant la ligne éditoriale de chez Larousse, parce qu'on est quand même sur du grand public, et donc on est là aussi pour partager des choses simples pour quelqu'un qui, je vais dire, est novice et va découvrir aussi la médiumnité, ou va peut-être aussi découvrir des clés, parce qu'il y a des gens qui effectivement connaissent la médiumnité, et en lisant ce bouquin, qui ont appris aussi des choses, qui m'ont dit, bah, ça je connaissais pas, ça je savais pas. Donc, sans aucune prétention, évidemment, parce que je suis pas omniscient et je vais continuer à découvrir des choses. Donc c'est un partage, un témoignage. Et puis j'ai essayé de recouper le plus d'infos possible par rapport à mes collègues médiums que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pu échanger. Voilà. Donc le but, c'est de mettre en évidence quelque chose de simple qu'on croit souvent paranormal et qui commence à être étudié de plus en plus sérieusement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des gens comme Mario Bourgard, avec qui j'ai eu Ah, le l'occasion docteur. d'échanger. Voilà, le docteur Mario Bourgard au Québec. Il y a bah, Laurent Jacques Costa qui travaille avec Philippe Ferrer, voilà, qui lui aussi, on a eu l'occasion d'avoir des conversations avec lui. Il y a Sylvie Détiolas, Claude Charles Fourier, enfin voilà. Il y a plein de gens qui s'intéressent sérieusement aux états modifiés de conscience et qui aujourd'hui se rendent compte bah, que c'est extrêmement important d'aller creuser ces points-là pour pouvoir mieux comprendre la médiumnité et pouvoir l'aborder de façon plus sereine. Parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances et de peurs vis-à-vis de la médiumnité. On entend beaucoup de choses et vraiment, on met beaucoup les gens dans la peur vis-à-vis de ça. Alors qu'en fait, on parle de capacité. Alors évidemment, si on s'amuse à appeler, on n'a pas forcément des gens sympas qui viennent. Ça, je suis d'accord. Parce qu'un médium n'appelle personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir, le défunt est déjà là. Et moi, je ne demande pas au défunt de venir. S'il est là, il est là. Si j'ai un contact, je le prends. Si je n'ai pas de contact, je n'ai pas de contact. J'accueille ça aussi. C'est extrêmement important. Je Oui, ne c'est lance pas important. d'appel. Ça, c'est important de dire qu'on n'appelle pas les défunts. S'ils sont là, ils sont là. Ils vivent dans une dimension parallèle à la nôtre où ils sont effectivement désincarnés. C'est-à-dire la conscience n'est plus dans le corps. Et ce qui permet de faire la jonction entre la partie astrale dans laquelle ils sont et la terre sur laquelle nous vivons, la dimension 3D, le matériel, c'est toute cette partie éthérique que les alchimistes connaissent bien, qu'on appelle l'éther. Et donc, c'est cette partie énergétique qui se relie à la fois à l'astral et à la fois à la terre. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que chaque atome est relié à une particule d'énergie. Et lorsque le corps disparaît, donc les atomes, il reste cette particule d'énergie qui vit et continue de vivre avec une part de la personnalité du défunt qui a vécu l'incarnation auprès de ses proches. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement que cette énergie permet d'être captée par les médiums, puisque cette énergie s'exprime de façon vibratoire. Et c'est ça, en fait, qui se passe pour nous, c'est-à-dire qu'on capte cette sensibilité vibratoire qui se traduit par des informations visuelles, olfactives, auditives, sensorielles, et qui permettent de mieux comprendre pourquoi, en fait, on arrive à avoir ces contacts. Mais quand tu dis les défunts ne peuvent pas être là, mais c'est vrai, de toute façon c'est important que tu le dises, ils sont pas à notre disposition en permanence quand on Exactement. veut. Mais par contre, si une personne vient te voir, le guide ou le défunt peut en l'occurrence prendre, on dira, rendez-vous avec nos mots terrestres à nous pour C'est qu'il ça, vienne, c'est ça. puisqu'il sait très bien que la personne va venir le lendemain. C'est exactement ça, parce que en fait, il y a une intention qui est posée par la Voilà. personne. À partir du moment où elle dit j'ai pris rendez-vous chez un médium, elle envoie une petite pensée, voilà, en disant bah, j'espère que tu seras là demain, je pense à toi. Évidemment, quand on vient chez un médium, si on vient en disant bah, je sais pas ce que je fais là, moi je leur pose la question, je leur dis écoutez, on va pas aller plus loin. Le but c'est pas, ça m'arrive hein, d'avoir des gens qui me disent bah, je suis curieux, je suis venu voir.
Je lui dis, vous êtes venu voir quoi? Je dis, je peux vous faire des crêpes, du jonglage, je peux vous chanter une Ouais, chanson si pourquoi vous pas, voulez. c'est ça quoi. Et voilà, bon, je ne fais plus de striptease, hein, tu vois, la gaine, j'ai arrêté. Et Puis avec là, la on est à petite la radio, on ne patte te verrait même striptease. pas en plus. Bah, oui, c'est ça en plus. Et puis, ce serait gênant. Et, Ouais. et pour le coup, voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie démarche quand on va voir un médium, parce que c'est une démarche sacrée, c'est une démarche personnelle. C'est dans le respect à la fois du vivant, dans le respect du défunt. Et on ne vient pas pour s'amuser. Tu vois, je vais prendre un exemple très concret. J'avais été approché par une chaîne de télévision pour aller contacter Johnny Hallyday sur un plateau. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai dit non, parce que d'une part, moi, j'étais pas fan de Johnny Hallyday, malgré tout le respect que je lui porte, j'étais pas fan. Et donc, je me voyais pas aller sur un plateau de télé sans aucune démarche de la famille. Johnny Hallyday, je suis pas fan, donc lui, il me connaît même pas. Et je me dis, mais c'est quoi cette démarche, en fait? On va faire du Bah, c'est sensationnel pour faire sur un du buzz, plateau. voilà Et quoi. moi, c'est non. Je marche pas comme ça. Et je souhaite vraiment que la démarche, elle soit saine. J'ai eu quelques personnalités en médiumnité, c'est très rarement, de façon très rare, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un de la famille ou un ami qui était dans la salle ou qui venait me voir. Et là, la démarche, elle était cohérente. On savait pourquoi le défunt était là, quoi. Oui, c'est différent, c'est sûr. Mais C'est là, tu complètement sais, quand tu différent. parles de médiumnité que les gens ne savent pas forcément, dans ton livre, au début, ce qui est, enfin moi, j'ai trouvé ça bien, c'est que tu expliques la différence entre médiumnité, numérologie, astrologie, parce qu'on s'y perd un peu parfois, tu vois, voyance. Tout à fait, Comme tout tu à me disais fait. hors antenne, je ne sais pas si tu peux expliquer juste l'anecdote rapidement, une personne qui vient te voir, limite, pour, comme si c'était de la voyance, alors que non, c'est de la médiumnité, C'est quoi. ça, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un médium spirit, donc j'ai plutôt tendance à communiquer avec les défunts, c'est vrai que c'est ma spécialité. Maintenant, je fais aussi de la guidance, puisque j'arrive à voir les guides et avoir des informations sur les chemins de vie des gens, mais je ne veux pas pratiquer la voyance, il y en a qui le font très bien, vraiment. Moi, je ne m'en sens pas capable. Et ayant des difficultés avec la temporalité, puisque pour moi elle n'existe pas, donc j'arrive pas à poser les choses suffisamment concrètement pour pouvoir faire de la voyance et dire aux gens, ben voilà, je vais vous prédire qu'il va se passer ça. Je préfère regarder par exemple quelqu'un qui vient me dit, ben, j'aimerais savoir quand je vais rencontrer l'amour. Moi, je vais pas regarder quand, mais plutôt pourquoi elle le rencontre pas. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma transgénérationnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu des incestes? Est-ce qu'il n'y a pas un divorce qui s'est mal passé? Ben, je me souviens d'une dame qu'on a aidée qui s'était fait escroquer 3 800 euros par un groupe de prières, etc. Et donc, moi, quand elle m'a appelé, elle me dit, oui, je suis envoûtée, c'est ça. Je dis, mais attendez, top, on va arrêter là. Et je lui dis, mais qui est un X? Enfin, voilà, le prénom de son ex-mari. Et elle me dit, ben, c'est mon ex-mari qu'elle me dit. Et je lui dis, mais en fait, vous avez divorcé, vous n'êtes pas remise du divorce. Elle me dit, oui. Mais je lui dis, vous n'êtes pas envoûtée, madame, vous êtes juste en dépression. Et je lui dis, là, vous avez besoin d'un suivi médical, d'un suivi thérapeutique. Et je pense qu'il faut aller voir un thérapeute pour régler ce problème, parce que n'oublions pas que le divorce est aussi un deuil. Il y a un abandon, il y a une forme de deuil, et il y a un travail à aller faire. Alors, je dis pas que les engouffrements n'existent pas. Je dis beaucoup de problématiques, nous en sommes les créateurs, et à 90%, nous sommes dans des auto-envoûtements par nos propres croyances. Donc, il faut faire attention. Vraiment attention à nous, quoi. C'est vraiment hyper important. Ben c'est vrai que c'est assez brouillon dans la tête des C'est personnes ça. entre voyance et médiumnité, hein. C'est Même lors ça. d'une séance, Même hein, quand il tu faut dis parfois les recadrer quand même un petit peu. Je suis d'accord, Caroline, Ah complètement oui. d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Ça fait C'est pas plaisir parce simple. que c'est bien d'expliquer comme ça, vraiment. Merci beaucoup. C'est important pour les gens de savoir ce qu'ils viennent chercher. Oui. Il y en a qui sont très bons, hein. Vraiment, en voyance, moi, j'ai vu des gens exceptionnels, hein, être capables d'avoir presque des temporalités à quelque chose près, mais vraiment, hein, voire dedans, carrément dedans. Moi, ça m'est arrivé avec des défunts qui me disent, bah, par exemple, telle date, il se passe ça. Dans la revue Infinité, le journaliste avait assisté parce que moi, c'est vrai, je fais toujours attention avec la presse, ayant voilà, été dans le spectacle pendant près de 25 ans. Je fais toujours attention, j'ai quelques réticences à faire des émissions, etc., etc. Et je vais toujours regarder avant, quand on m'invite, pour savoir où je mets les pieds. Et si tu veux, bah, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, le journaliste, il a assisté à la médiumnité et il y a eu un élément temporel assez important concernant Paris. Il explique très bien dans la revue et j'ai dit waouh, c'est un truc de dingue quand même, parce que même moi j'étais surpris de cette temporalité. Je me suis dit, mais il donne une temporalité hyper précise à un lieu, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et quand c'est arrivé, j'ai dit waouh.
Et c'est très particulier parce que quand on a des événements comme ça, ils sont assez rares, mais il arrive que les guides me donnent ce genre d'informations. Voilà, et je reste toujours un peu stupéfait par ça, parce que ça veut dire que ce sont des temporalités qui sont quand même très proches et des choses qui sont déjà pour moi quasiment actées en fait, Oui, avant qu'elles se mettent en avant que ça place. se... Voilà, c'est ça, quoi, oui. Mais tu disais médium spirit, donc toi, tu te dis médium spirit, hein, c'est ça, donc Tout comme à tu le fait, disais. tout à fait. Vraiment Et en alors, il y contact a... avec les défunts, ouais. D'accord, parce que dans ton livre aussi, tu parles des médiums à intégration. Je t'avoue que je ne connaissais pas, donc tu vois, tu me l'as Oui. appris, ça Ouais, c'est... incorporation, les gens qui font de l'incorporation. Alors, il y en a très peu, hein. Ah, c'est de l'incorporation, Quand... c'est pareil, David, Ouais, d'accord, ok, bah c'est... intégration, incorporation, D'accord, c'est ça. d'accord, Et ok. si tu veux, il y en a très peu, hein, qui sont capables de le faire. C'est extrêmement fatigant. D'ailleurs, il y avait un reportage où on voyait Nicole de Haas faire une incorporation. Ça dure très peu de temps. Et à la fin, le médium est extrêmement fatigué, le défunt aussi d'ailleurs. On le voit dans le film Ghost à la fin, quand Whoopi Goldberg accepte de prêter son corps à Patrick Swayze. On voit ça fait. Alors, moi je trouve que Whoopi Goldberg se relève un petit peu vite à mon goût. Tu connais Parce que Carrie, parce que bon, les films. honnêtement, c'est extrêmement fatigant. Les gens qui font de l'incorporation, s'il y en a une centaine dans le monde, c'est énorme. C'est vraiment énorme, quoi. Il y en a beaucoup qui font de la canalisation. Et ça, je suis totalement OK avec ça. Mais la véritable incorporation où le visage, la voix change, il y en a très peu. Vraiment, il y en a très, très peu. Et puis, est-ce que ça peut pas Ben oui. être... Mais moi, ça m'est arrivé contre mon gré. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, Mais justement, c'est ça exactement. le Alors, problème, oui. c'est très juste ce que tu dis, Caroline. Effectivement, on peut parfois se faire imposer ce genre de choses parce qu'il y a besoin de faire passer un message très concret. À savoir, je pense que la personne qui était en face de toi devait entendre le message de façon forte et significative, et ça peut arriver ce genre de choses. Mais je pense que tu as dû être très fatigué après, et on a du Ah mal à se ben, je suis remettre. tombée dans les Hein. pommes, en fait. Eh ben voilà, eh ben ouais, non, mais je te comprends. Je te comprends parce qu'effectivement, ça secoue vraiment, et c'est très court, hein. C'est 2, 3 minutes, c'est Ouais, très c'est ça. très court. C'est très très court, vraiment, vraiment. Oui. Alors, il y a une Oui. question de Stéphane sur le chat. Bonsoir Stéphane, qui dit, lors d'une médiumnité en salle, est-ce que tu n'as pas eu Serge Gainsbourg? Donc c'est quelqu'un qui me Donc, connaît. c'est ce que j'allais te dire, c'est quelqu'un qui te connaît, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aime pas en parler parce que je suis assez voilà, réservé Mais là-dessus. tu sais que nous, on Mais est fans avec Caro David en plus, hein. Alors oui, non, mais je là... sais, c'est vrai que oui, Serge Gainsbourg s'était manifesté pour une personne, effectivement, dans le lieu dans lequel nous étions. La personne avait promis de mettre un chou sur la tombe de Serge Gainsbourg et ne l'avait pas fait, et elle culpabilisait. Et donc Gainsbourg est venu, et j'étais ce jour-là avec Christine André et Michel Hocq en médiumnité. Nous étions à Hérouville-Saint-Clair. Et en fait, je dis, je crois que j'ai Gainsbourg, que je dis à Christine. On se regarde, elle dit, c'est pas possible. Et j'ai l'odeur de clope et j'entends vraiment la voix de Gainsbourg. On dit, ouais, si, c'est moi et tout. Je dis, ouah, c'est Tu quoi la le truc reconnais que au je moins, dis? ça. Et C'est je fou. dis, ouah, c'est un truc de fou. Et je Oui. dis, pourvu que je dise pas une connerie, que ce soit par un esprit farceur. Vraiment, parce que je me dis, ça peut être une grosse connerie, quoi, quand même. Et c'est quand même. Et en fait, je dis, ben, c'est quelqu'un du restaurant qui travaille dans ce restaurant. Et en fait, on a eu confirmation à la fin. Et c'était un truc de dingue parce que vraiment, la personne était fan de Gainsbourg et avait promis de mettre un chou sur la tombe de Gainsbourg et ne l'avait pas fait. Donc c'était D'accord. un vrai truc de dingue, ça. C'était un Ah vrai oui, truc c'est de fou dingue. ça. Mais c'est bien ça, c'est tu vois, c'est ça qui dit, on se dit mais oui, là c'est vraiment pas des conneries, je veux dire celui Bah, qui c'est ça dit parce que c'est sincère, quoi. c'est C'est, sincère, on peut pas voilà. douter. On peut pas douter. On C'est peut pas douter ça. du truc, C'est ouais. ça. Complètement. Complètement. Et est-ce que justement par exemple une personne comme Gainsbourg que tout le monde connaît hein, garde quand même au bout de plus de 30 ans la manière qu'il avait de voir les choses, admettons terrestre hein, sur le plan terrestre, tu penses? Oui et non, oui et Oui et non. non. Parce qu'on sent quand même que c'est beaucoup plus éthéré et Ah beaucoup plus voilà, oui. profond. C'est-à-dire qu'on sent déjà qu'il y a un travail qui est fait. Alors évidemment, dans les traits de personnalité, il va se faire reconnaître tel qu'il était sur Terre, bien évidemment. Mais par contre, on sent que l'énergie, elle n'est absolument plus la même. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai essayé de reconnecter à l'énergie de Gainsbourg. Après, ce n'était absolument pas la même. Évidemment, quand on se connecte à ce qu'il était sur Terre et à ce qu'il est devenu, oui, rien à voir, rien à voir. Donc vraiment, c'est assez impressionnant quand on vit ça, ouais. D'accord. Ben voilà, Stéphane, merci pour ta question. Voilà. Bah, Parfait. Stéphane en avait une Ah deuxième. ben vas-y, hein. As-tu reçu d'autres messages des galactiques? Ah! Ah!
Attends, on va expliquer ce que c'est que les galactiques, peut-être, excuse-moi, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, donc c'est, si tu veux, David. Ouais, je pense. Tout à fait. Les galactiques. Alors, j'ai vécu une expérience assez particulière, moi qui suis hyper rationnel. donc, je me suis bien fait secouer le cocotier en 2022. C'est assez bizarre, cette expérience que j'ai vécue avec l'énergie vénusienne qui n'est pas en 3D, bien évidemment, qui est sur un autre plan. Et franchement, au départ, comme je sortais d'un burn-out, j'étais sous camisole chimique, je lui dis « Ouais, c'est bon ». J'ai appelé mon thérapeute, je lui dis « Ce que tu m'as donné, c'est super fort ». J'ai rigolé, évidemment, j'ai dit « C'est des conneries ». Et il y a eu une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits. Et à chaque fois, je sortais de mon corps et je me retrouvais devant une espèce de vaisseau. Alors, c'est très particulier pour moi parce que quand je parle de ça, je me dis « Waouh, j'étais complètement cintré, quoi ». Et en fait, ils m'ont donné tellement d'éléments précis sur les systèmes de propulsion des vaisseaux, sur la densité, sur l'énergie, sur la matière. Voilà, ils m'ont dit des choses tellement précises. Ils m'ont dit « Ah, tu ne crois pas ? Bah, t'en bouges pas dans trois jours, tu vas voir ». Et trois jours après, les éléments qu'ils m'avaient donnés se réalisaient, quoi. Et donc, je dis, ouais, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et effectivement, donc, j'ai sorti ce bouquin Terre 2030, donc au mois de juillet 2023, racontant cette expérience. Et j'ai une très grosse frustration puisque je ne peux pas aller, quand je veux, aller voir les galactiques. C'est eux qui viennent à moi. Quand ils ont un truc à me faire passer, ils viennent me le donner. Donc, j'ai eu quelques nouveaux messages, mais je n'ai pas la possibilité d'y aller comme moi, j'aimerais y aller. Donc, c'est un peu frustrant. En fait. Mais les galactiques, ce ne sont pas des personnes qui ont été incarnées sur Terre avant ? Oui. Certains ont eu des incarnations sur Terre. D'accord. Si. Et d'autres, aujourd'hui, sont sur Terre et ont des origines galactiques. Si. J'en ai rencontré quelques-uns. J'ai vécu un truc un peu particulier à Strasbourg un jour. On fait un atelier guidé chemin de vie. Et au moment où je connecte avec les guides de chacune des personnes dans la salle, sur l'atelier, je vois derrière une dame une grande créature bleue. Alors, je précise qu'Avatar n'était pas sorti puisqu'il y a quelques années de ça. Et je vois une grande créature bleue me regarder, etc. Ça, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de délirer. Et en fait, la dame voit que je lève la tête parce que j'allais dire le personnage n'était pas loin de 2,50 m. Et j'attends la pause et je vais la voir. Je lui dis, écoutez, j'étais un petit peu perturbé tout à l'heure. Elle me dit, ah, ça y est, vous l'avez vu. J'ai vu quoi? Et là, elle ouvre son cahier, la dame, et à la fin de son cahier, il y avait le dessin exact de ce que j'avais vu. Et ah, là, oui, c'est fou, ça. Ok, quand même. Ça m'a vraiment perturbé parce je me suis dit, là, je viens de voir quelque chose que je n'avais jamais vu et je ne l'ai jamais revu depuis, hein, je précise, hein, quand même. Hein. D'accord. À chaque fois, les images que je peux avoir sont plutôt de forme humanoïde, assez proche de l'humain. Même si les Vénusiens, effectivement, ce que j'ai vu des Vénusiens, la peau était quand même très blanche. Il n'y a pas de, la peau est lisse en fait, comme si ça faisait une espèce d'élastique lisse, un peu blanc. Oui, je comprends. C'est très particulier quand même. Oui, et oui. Ça, c'est un détail qui m'a beaucoup perturbé aussi, j'avoue. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, effectivement, qui s'intéressent à l'ufologie. Et qui m'ont confirmé effectivement dans les rapports qui étaient écrits qu'il y avait effectivement dans les contacts avec ces Vénusiens cet aspect-là de la peau. Ouais, c'était très perturbant vraiment. Oh, c'est intriguant. Tu n'as pas eu de communication en salle avec cette créature ? Alors non, j'ai pas eu avec cette créature bleue. Non, avec les Vénusiens, oui. Donc dans le Terre 2030, ouais, je raconte un petit peu les messages qui m'ont donné la compréhension effectivement du monde. Ils m'ont juste expliqué effectivement que nous étions dans une phase d'ascension, quelque chose d'assez particulier, et que le cosmos était un tout cohérent, et que si nous sur Terre on n'évoluait pas, en fait, on mettait en déséquilibre tout le cosmos en fait. C'est pour ça qu'en fait il y a plein de gens qui se réveillent, qui prennent conscience qu'il faut consommer local, qu'il faut respecter la vie animale. Puis qu'il y a plein de gens fatigués aussi. Voilà, et puis dans notre langage, c'est même passé, hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes pas, on ne dit pas « je suis fatigué », on dit « j'ai plus d'énergie ». Donc, c'est même passé dans le langage des gens, on parle d'entité, c'est presque plus tabou d'aller voir un médium ou un magnétiseur. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir, on se rend compte qu'il ne faut pas faire forcément 3 repas par jour, que ça ne sert à rien. Il y a plein de choses en fait, qui sont en train de se mettre en place à grande échelle, et je pense qu'on est vraiment dans une vraie ascension, quelque chose qui se passe, où on va prendre conscience… effectivement que nous sommes locataires d'une planète et que cette planète, on ne peut pas continuer à la gaspiller comme on le fait. Mais c'est important de le dire, tu as raison, parce qu'on voit que les vibrations de la planète augmentent quand même.
On le Ah ressent. bah, de toute façon, oui, ça se voit, on Hein. réagit plus pareil aux médicaments, on réagit C'est plus ça. pareil sur les états de fatigue. Il y a plein de choses vraiment qui entre guillemets, se mettent en place. Donc, c'est vrai que dans ces messages, quand ils m'ont expliqué effectivement qu'on allait continuer à se réveiller, et ils m'ont dit, vous n'avez pas compris avec le Covid, vous verrez, effectivement, alors le Covid, moi, je ne sais pas qui l'a créé, pourquoi, comment, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Simplement, je pense que c'était une occasion unique de se recentrer sur soi, c'était une occasion unique de se retrouver, d'aller travailler sur nos propres blessures, d'aller vers l'introspection et de découvrir autour de soi, bah, des petits producteurs, d'apprendre à respecter et à se respecter. Et ils m'ont dit, vous n'avez pas compris avec le Covid, eh bien, vous allez vivre les incohérences jusqu'au bout. Et en fait, on nous amène aujourd'hui à avoir tellement d'incohérences en disant, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, on n'a plus d'argent pour les EHPAD, pour le handicap. Mais on a de l'argent pour faire des festivités pour le 80e anniversaire du débarquement. On a de l'argent pour recevoir le roi Charles avec des bouteilles à 2 700 balles. Voilà. Il y a une grosse incohérence, en fait, et on nous la montre, en fait. Donc aujourd'hui, on ne se cache même plus. On nous montre les choses. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se réveiller, vraiment, mais sans, comment je peux expliquer, sans rentrer dans le combat. C'est-à-dire en mettant notre énergie au service des alternatives. Parce que le combat, il n'est pas bon. Il nous amène dans la dualité. Et la dualité, on n'en sort pas gagnant. Alors qu'en fait, si on met notre énergie dans les alternatives, on peut faire bouger les choses. Quand des gens me disent, Oui, oui, mais oui. les guides disent que ça va changer quand? Et moi, je réponds aux gens, mais quand est-ce que vous Ah, changez? c'est marrant, je disais ça hier soir en plus, tiens, dans Ah bah, tu vois, l'émission. Michael, C'est on est vrai, bien c'est connectés. marrant. Ouais, c'est vrai que Avec c'est. Louis Fouché, c'est le même Avec Louis discours. Fouché, on était avec Louis Mais Fouché, oui, c'est ce que je disais, c'est mais marrant. c'est exactement ça. Quand est-ce que vous changez? Et c'est ça qui est important. Si on ne prend pas conscience que nous sommes acteurs et que c'est nous qui construisons ce monde, les Vénitiens ont dit la plus grosse pollution terrestre, ce sont nos pensées. Ah bah ça c'est sûr, Nos oui. pensées. Oui. Et c'est ça qui pollue le plus. C'est-à-dire qu'en fait, nos croyances, nos pensées, nos peurs, et là, j'ai fait un clin d'œil à Sylvain Guimond qui est au Québec. La peur, la chronique de la peur, c'est une perception erronée et utopique de la réalité. Donc, quand on a compris ça, on est capable de dire, la peur que je génère, elle n'est pas réelle. Est-ce que je suis en danger de mort? Est-ce que, voilà. Et si je suis en danger de mort, qu'est-ce que la mort? Est-ce que la mort est une fin en soi? Est-ce que c'est pas le moment pour moi de continuer sur un autre plan? Et c'est ça, c'est regarder la vie dans sa globalité. Arrêtons de mettre des barrières, des étiquettes, etc., etc., qui génèrent encore plus de peur. C'est sûr. Mais alors le fait que beaucoup de gens se réveillent, on est bien d'accord, hein, ça moi je le vois de plus en plus. Mais par contre, à la spiritualité, je peux pas dire que c'est trop pour moi, mais je sais pas comment t'expliquer ça, j'aimerais savoir ce que t'en penses. C'est tellement réveillé que les gens vont un peu fouiner un peu par-ci par-là, un livre de tel truc, un autre. Ben, c'est-à-dire, il y a beaucoup de perchés, quoi. Enfin, tu vois, et moi ça me Il gêne y a un des peu, risques, mais il y a il des y a des risques. dérives, Il y a il y des a des dérives dérives, aussi, ouais, il c'est y a des ça, quoi. dérives, parce qu'en fait, ce qui est important, et je ne dirais pas il y a des bons, des mauvais, je dirais juste il y a des gens qui vont nous parler dans notre niveau de conscience. Oui. Si on parle des dérives, en admettant des dérives, qu'on puisse poser un état, un constat, parce que je ne vais pas mettre un jugement, mais quelqu'un, par exemple, qui serait dans une forme de dérive et qui irait consulter quelqu'un qui n'est pas compétent, en admettant, je parle bien de constat et pas de jugement, eh bien, il y a une expérience aussi là-dedans, celle du discernement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va vivre son expérience et pour le coup, ne va pas aller sur le bon chemin. Et pour, j'allais dire, si elle était allée sur le bon chemin dès le départ, elle aurait peut-être été beaucoup trop vite dans son grandissement et elle n'aurait pas, j'allais dire, quand on construit une maison, on fait 3 rangs d'agglos, on laisse sécher, 3 rangs d'agglos, on laisse sécher, on ne monte pas les murs d'un seul coup. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la spiritualité, il y a aussi des temps de pause. Et puis, il y a la vie terrestre, parce que la vie terrestre est encore plus importante. Quand les gens n'arrivent pas à se connecter au niveau coronal, c'est juste parce qu'en fait, au niveau du racine, il n'y a pas assez d'énergie. Le mot Oui. médium veut dire intermédiaire, donc veut dire extrêmement ancré. Donc, j'ai une vie ici avec des amis, de la famille, je danse, je ris, je C'est ça, mange. quoi. Voilà, c'est parce que le corps, il permet de vivre pleinement aussi cette spiritualité. Et l'équilibre, alors évidemment, le parfait équilibre, c'est génial, on n'est pas toujours dans le parfait équilibre, parce qu'on vient travailler toutes et tous, hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on n'a pas à bosser, on voit aussi des thérapeutes, rassurez-vous. Mais
honnêtement, ce qui est important, c'est vraiment de dire, bah, si j'arrive pas à me connecter là-haut, je l'accepte, faut que je l'accepte, parce que pourquoi je dis il faut? Parce qu'en fait, c'est une protection de la part de nos guides pour pas vivre ce qu'on appelle une astralisation de sa vie. L'astralisation de la vie, c'est une fuite de la réalité. Donc, je vais créer quelque chose qui n'est pas réel, qui est dangereux et dans lequel je vais me perdre. Mais oui, mais Et il y en ça, a c'est. plein. C'est ça, moi j'ai du mal Je avec ça, je sais, t'avoue. je sais. Mais en Franchement. même temps, justement, il y a aussi des gens comme vous qui faites des émissions justement pour permettre d'avoir du discernement. Je pense à Philippe Ferrer. Il y a plein de gens qui sont là pour Oui, c'est éveiller, vrai. réveiller. Et j'allais dire, quand on écoute des discours, moi, il m'est arrivé de regarder des chaînes YouTube où je voyais des intervenants où ça résonnait pas du tout. Alors évidemment, je ne dis pas que la personne est incompétente, etc. Je dis, ça ne me parle pas. Alors peut-être que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là ou peut-être que je l'ai dépassé. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je ne veux mettre aucun jugement de valeur. Je veux juste dire que ça ne me parle pas. Quand on est au restaurant, on ne mange pas tous la même chose et pour autant, le plat du C'est voisin, il n'est ça. pas forcément mauvais. Et c'est ça en fait. Donc on va toutes et tous vivre des expériences différentes qui vont nous permettre de récupérer des outils. Et quand on récupère ces outils, l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de grandir, de se réveiller. Et c'est ça en fait, il faut que ça nous parle en fait. Après, s'il y a des dérives, de toute façon, on le verra très vite. Parce qu'en fait, les gens, à un moment, ils se perdent. Quand ils se perdent, ils disent, non mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un burn-out, il peut y avoir la rencontre avec d'autres personnes. Et rassurez-vous, les guides, ils vont pas les laisser se planter complètement. Après, il y a l'ego. Il y a l'ego qui va se mettre en jeu et c'est, je ne peux pas m'être planté, c'est pas possible, j'ai raison. Ok. Bah, tant que l'ego, il est là, il est difficile effectivement pour la personne d'aller travailler sur elle et d'avancer. C'est ça, oui. S'il y a des C'est questions, n'hésitez pas, hein, par contre. pas facile, hein. C'est pas Non, non, facile c'est en pas même temps. simple, c'est pas simple, mais c'est à bosser tous les jours, quoi, finalement. C'est un Mais c'est quelque travail. chose qu'on doit mettre en place Oui. chacun, tous les jours, avoir du discernement, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Dans les ateliers, je prends toujours l'exemple de la cascade. Je dis, quand vous avez la cascade avec l'eau dans les yeux, vous ne voyez rien. Et je dis, d'un coup, vous prenez du recul et vous apercevez qu'il y a de la végétation, des papillons, des oiseaux, de la roche. Et finalement, c'est beau. Et si c'est le recul qui vous permettra de comprendre que la situation que vous avez vécue, en fait, n'était pas un drame, mais quelque chose qui vous permet de grandir, de mieux comprendre, en fait, le sens de la vie dans sa globalité. Oui. Même si ce n'est pas simple. Même si ce n'est pas simple, Non, non, évidemment. mais Parce c'est voilà, qu'il y a faut des épreuves travailler. pas simples. Quand C'est on perd vrai, un c'est vrai. enfant, c'est absolument pas simple. C'est Ah absolument pas non, gérable. pas du tout, J'ai le non. cas régulièrement. Et c'est d'ailleurs l'appréhension de beaucoup de médiums. On a échangé un petit peu ce week-end avec différents médiums au festival. Oui. Et vraiment, c'est l'appréhension qu'on a des gens qui ont perdu des enfants. C'est terrible. Pour nous, c'est terrible aussi. Vraiment. Non, mais ça se comprend, hein, ça, quand même. Mais alors justement, tu sais, tu dis aussi dans ton livre que chaque médium ne pourra pas avoir forcément le même message concernant un défunt. Parce que tu as des gens qui Tout se à disent, bon, fait. bah, je vais aller voir un médium, donc forcément, si je vais voir un autre, il va me dire la même chose. Mais non, justement. Non. Non, Ça, on peut être c'est très bien. complémentaires. Bah justement, ce week-end, on a fait un quatuor avec Stéphane Michael, avec Michel Dourte, Sylvie Morin et moi-même. On D'accord. a remplacé quelqu'un au pied levé. Et vraiment, je trouve que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. Et pour les gens qui étaient là, c'était juste génial. Parce qu'en fait, ils ont vu quatre méthodes différentes avec de bons résultats. Et il n'y avait pas, j'allais dire, un bon médium. Il y avait celui qui correspondait à la personne qui recevait le message. Et je trouvais ça absolument génial parce que c'était vraiment une complémentarité dans les perceptions et c'était plutôt chouette, quoi. Moi, je trouvais ça vraiment chouette. C'était hyper vivant. Et voilà, c'est important, je pense, d'avoir différents médiums. Là, je vois demain soir, je suis à l'Olive près de d'Avranches. En conférence et je rigole parce que samedi il y a une autre personne qui vient samedi après-midi samedi soir il y a deux autres personnes qui viennent et en fait ce sera évidemment pas la même méthode parce qu'en fait déjà entre la sensibilité féminine et masculine ne sera pas la même parce qu'en fait on a tous notre méthode parce qu'on et certains sont clairaudients clairvoyants clairsentients enfin voilà, il n'y a pas une bonne méthode ce qui Oui. compte c'est le résultat pour la personne qui est en face Oui, puis un et médium ne pourra pas avoir tel tout est défunt ou tel juste. défunt, et un autre, oui, justement, aussi. Complètement, complètement. J'ai souvenir un jour de trois fils qui débarquent en face de moi, des déménageurs. Voilà, moi j'ai arrêté la musculation à l'âge de 3 ans. Et pour le coup, je me retrouve avec ces trois gars en face de moi. Ils me posent leur photo de leur maman et la dame me dit
Ah, les VLAE. Waouh! Je commence à me dire, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et elle me dit, ils étaient en train de me dépouiller, que j'étais même pas morte. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je leur dis? C'est chaud quand même. Parce que il m'a manqué un truc à ce moment-là, ah, le courage, c'était le mot que je cherchais. Et je suis dit, ils vont m'exploser la tête, prendre à la barre. Et vraiment, encore une croyance et une peur pour le coup. Et je leur ai dit, j'avais rien. Et je pense qu'ils auraient été incapables d'entendre parce que pour eux, ce qu'ils ont fait n'était pas mal, évidemment. Alors, j'ai eu le regret après, je me suis dit, David, franchement, tu avais laissé ta paire voilà, au vestiaire, tu aurais dû la prendre et leur dire. Et je regrette parce que si la situation aujourd'hui se présente, je la laisserai pas passer. Je C'est pense que important. quand il donne un message, il faut le dire, quoi. Et je suis Sinon, ils ne le d'accord, disent Caroline. pas. Complètement, complètement. C'est exactement ça. Même si ça doit faire mal, mais il Bah, y a. c'est moi, je pense que c'est moi qui aurais eu mal, Caroline. Oui, bien sûr. C'est évident, c'est évident. Mais voilà, après, c'est, et je me suis dit, et puis en même temps, c'est toujours délicat, faut faire attention. Il arrive parfois dans certains cas que je mette des filtres. Quelqu'un qui est Oui, parti bien des fois sûr. dans des conditions atroces, je raconte pas tout, évidemment, parce que ça sert à quoi, pour la personne qui est en face, de savoir et d'entendre des éléments horribles. Ça ramène rien, si ce n'est de la souffrance. Pas utile pour moi. C'est C'est, faut être dans la bienveillance, faut essayer d'avoir une éthique et se dire que la personne en face de nous est fragile. Et que donc, si jamais on lui donne des éléments lourds, la personne peut se sentir très mal après. Et on a une responsabilité, même en salle. Je vois, il y a des choses qui sont sorties ce week-end que j'ai dit aux gens, ben, on se voit à la fin, vous venez me voir à la fin. Parce que il y a des choses au niveau de l'éthique qu'on ne dit pas en salle. Pour moi, c'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre de tout dire comme ça. Voilà, ce serait irrespectueux pour les gens qui reçoivent le message d'étaler devant tout le monde toute leur vie privée. L'éthique est pour moi extrêmement importante, vraiment, vraiment. Oui, c'est Donc sûr, non, il faut, faut faire c'est attention. normal. Oui, c'est vrai. Il y a une question Oui. de Steph, Il est pas le toujours là, le même, hein. Stéphane. Allez, Mais vas-y, mon Steph. c'est pas Ah, le même que tout à c'est pas le l'heure. même. Ah, c'est pas le même. D'accord. Alors, il parle de l'incorporation. Ne peut-elle Oui. pas arriver aussi pour aider des esprits en errance amenés par des esprits supérieurs? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai assisté à ça. C'est arrivé même en séance un jour devant 130 personnes. On a eu une incorporation en salle. C'est déjà arrivé. Donc les 130 personnes étaient un peu sous le choc, mais ça s'est très bien passé. Et c'était une sacrée expérience pour les gens qui ont pu assister à ça. Donc c'est vraiment très impressionnant parce que la voix de la personne, là, on est dans une incorporation, elle change Oui, là tu l'entends par complètement. contre, Le oui. faciès change complètement. Les gens qui ont assisté ont été complètement scotchés, quoi. Et j'ai même eu des gens qui ont eu très peur. J'ai dit, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ce sont des retrouvailles d'âme, tout va très bien. Voilà. Et ça s'est très bien terminé, bien évidemment. Oui, il n'y a pas de raison, mais puis en plus, quand tu connais bien, tu gères, quoi. C'est exactement ça. Quand tu vois ce qui se passe au niveau de l'astral, tu utilises en clairvoyance, enfin, tu utilises ta clairvoyance, tu regardes et tu peux Oui. intervenir. Et heureusement. Et heureusement. C'est ça quoi. Alors tu sais, C'est je voulais toujours savoir. impressionnant Vas-y, quand Caro. même, hein. Oui, C'est c'est très impressionnant, impressionnant. oui. C'est très Surtout quand impressionnant. c'est nous. Mais C'est bon. ça. C'est ça. Je pense que tu as dû un peu flipper de te voir partir, Caroline. Je Bah, pense disons que ça venait de que bah, ça. j'ai pas flippé parce qu'on ne flippe pas. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train d'arriver, mais tu n'arrives pas à le. Enfin, maintenant, j'arrive à le bloquer. En tout cas, ce jour-là, je ne suis pas arrivée à bloquer ça. Ouais. Et en fait, ça parle à ta place, mais tu sais pas l'arrêter. C'est ça, c'est ça. C'est pas évident. C'est ce que je disais à l'école quand on m'accusait de bavardage. Je dis, c'est pas moi. Et C'est ça. je suis incorporé, excusez-moi. Ça, c'est pas mal pour les profs, c'est bon, ça. Ah oui, c'est bien. Mais ça marchait pas. Hein. J'avais quand même des exercices de bled Ouais, pour c'est ça. bavardage. Donc, je m'en Oui. rappelle, ça marchait pas. Les profs, ils n'étaient pas très crédules. Donc voilà, il n'y avait pas de dérive à cette époque-là. Pas possible, pas possible.
Tu sais, dans ton livre, tu parles des guides aussi. Bon, on en entend beaucoup parler, hein, mais Oui. tu parles de différents styles de guides, les guides Tout à spirituels, fait. les guides du savoir-faire, les guides familiaux. Enfin, bon, on va pas expliquer Ouais. tout. Le but, c'est qu'on lise ton livre. Hein. Par contre, ça, c'est très important que les auditeurs puissent le lire. Mais c'est bien ce que tu expliques. Il y a plusieurs styles de guides, quoi. Exactement. Il y a différents types de guides avec des missions très précises. Voilà. Évidemment, on a tendance à solliciter nos défunts, qui ne sont pas tous forcément guides, d'ailleurs. Et pour le coup, il y a une frustration à la fois pour celui qui reste, mais aussi pour le défunt, quand on sollicite quelqu'un qui n'est pas guide, parce que la personne n'a pas forcément la réponse, d'une part, donc le défunt reste sur l'autre plan à ne pas pouvoir répondre, donc frustration pour le défunt, mais aussi frustration pour le vivant qui n'a pas sa réponse. Donc ça, c'est hyper, hyper difficile. Et je dis, sollicitez vos guides, même si vous n'avez pas forcément les noms. Solliciter vos guides, de dire mon guide ou ma guide, on sait à quoi vous faites référence, à l'énergie à laquelle vous faites référence. Quand vous demandez à être éclairé sur votre chemin, rien que le fait de dire mon guide ou ma guide, c'est quand même déjà une démarche qui se fait évidemment au cœur, pas avec la tête. La tête, voilà, faut, dans ces moments-là, le mental, il est C'est vraiment ça. Puis déconnecté, on est quoi. plus en communion avec lui, on l'appelle en disant mon guide en plus. Exactement. Et puis, il y a quelque chose qui part du cœur. Donc, forcément, la chose, elle se fait de façon beaucoup plus fluide, quoi. C'est Oui, évident. oui, oui. Est-ce que les guides, selon toi, ont été incarnés ou pas tous, en tout cas, les guides? Beaucoup, beaucoup de Beaucoup. guides spirituels ont été incarnés, D'accord. contrairement aux anges. Ah oui, c'est différent, oui. Pour moi, je les mets pas sur le même plan. Pour avoir fait une expérimentation, alors je parle de mon expérience, hein, je Oui, l'établis pas oui. comme une vérité. Attention, Non, mais c'est toi hein, dans l'invité, ce en que même temps, j'ai c'est toi qu'on écoute, hein. Voilà, quoi. Merci, Miguel. Mais c'est vrai que c'est important dans la façon dont je l'ai expérimenté. Je sens l'ange comme une énergie de protection, pas une énergie physique et représentée comme on peut l'avoir dans les différentes religions. Je sens vraiment comme une énergie protectrice qui est là pour nous, avec nous, qui se relie à nous, parce qu'elle est en lien avec notre vibration, notre taux vibratoire. Et le guide, alors guide familial, évidemment, il est relié à notre famille. Le guide du savoir-faire, c'est une énergie qui accompagne pour les métiers, mais le guide spirituel est souvent relié à une vie passée. Et très souvent, j'ai remarqué que 90% des guides dans les gens que je côtoyais étaient reliés à une vie passée. Je disais aux gens, bah, tel pays, ça vous parle? La personne, elle me dit, bah, j'y attendais. Ah oui, je dis d'accord. Je dis, vous avez une sacrée peur de l'eau. Et je lui dis, vous n'iriez pas dans ce pays. Et la personne me dit, oui, tout à fait. Et je dis, aujourd'hui, vous entendez pas avec votre père. La personne me dit oui. Et je lui dis, l'énergie masculine que j'ai de ce guide, c'est effectivement le père que vous avez eu dans cette vie passée, qui vient compenser le père que vous n'avez pas aujourd'hui et qui vient rattraper effectivement tout ce que vous avez vécu de mauvais dans la vie passée. Et c'était très drôle parce que ça parle. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des détails qui permettent de recouper les choses, et de pouvoir plus ou moins identifier l'incarnation dans laquelle on a pu connaître ce guide et aujourd'hui qui vient en ayant cheminé sur le plan spirituel pour pouvoir aussi nous accompagner. Oui, et puis il y a les anges et les archanges aussi. Exactement. Et puis bah, il y a les principautés, les Oui, voilà. dominations. Enfin voilà, on peut monter encore dans les sphères angéliques Oui. et voilà, évidemment, Toi, tu évidemment. dis qu'il y a quatre archanges dans ton livre. J'en cite que quatre, T'en hein. cites J'en cite que quatre. quatre. Parce Il y que, en a non, mais tu bien sais, plus. je te demande Il y en a ça, bien David, parce plus. que, tu sais, souvent, on entend parler de 72 archanges par Oui, tout palier à de fait. 9, tu sais. Enfin, tu Tout vois. à fait, tout à fait. Ce que je Donc, confirme, toi, tu ce que je confirmes, c'est confirme ça. D'accord. sur le plan religieux, mais les plus proches de nous, qui sont reliés d'ailleurs aux points cardinaux et aux saisons, Oui. on les relie vraiment, Raphaël, Gabriel, Uriel et Michael, on les relie vraiment au plan terrestre, au lien Oui. avec les humains, parce que ce sont ceux qui effectivement se sont rapprochés le plus des êtres humains dans la création. Et ils ont été incarnés selon toi ou non? Je pense qu'ils ont pu venir, alors incarner, oui, incarner, on peut dire incarner pour le coup, dans la matière, oui, de façon ponctuelle, peut-être même provisoire, pour venir délivrer des messages ou pour venir aider l'humanité à un moment donné. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. D'accord. Alors, Il y tu a sais, une il y a un truc question qui m'a juste là. intrigué. Ah, excuse-moi, juste avant, il y a un truc qui m'a intrigué dans ton livre, David, c'est quand tu dis Oui. qu'on peut communiquer, bien sûr, avec des défunts hein, en tant que médium, mais aussi avec des personnes incarnées. Oui, tout à fait, puisque Alors, on ça, peut c'est avec des intriguant, quoi. consciences, Oui. on peut avec des consciences qui sont par exemple dans le coma, ou alors Alzheimer, ou Ah oui, bien autistes et sûr. qui ne s'expriment Oui, pas. d'accord. Tout à fait. Et c'est un
C'est d'ailleurs un prochain bouquin avec un protocole qu'on est en train de mettre en place pour tester effectivement les consciences incarnées qui ne s'expriment pas, voir si on arrive à rentrer en contact et surtout dans quel état cérébral on est, puisque la conscience, on sait qu'aujourd'hui, elle est extérieure au corps. Oui, c'est ça. Et au niveau cérébral, quelle est la fréquence? Est-ce qu'on est sur une fréquence alpha, comme en médiumnité, c'est-à-dire dans un état proche de 9 Hz en médiumnité, au niveau de la fréquence cérébrale, ou est-ce qu'on est, j'allais dire, proche d'un état gamma avec une hyperactivité, puisqu'il y a le corps, la matière, et que ça demande plus d'énergie de contacter un vivant, une conscience vivante, donc qui aurait une pathologie ou qui est elle-même dans un état modifié de conscience. Donc, est-ce que ça D'accord. demande beaucoup plus d'énergie? Donc, pour le coup, on serait plutôt dans des ondes gamma qui D'accord, permettraient oui. effectivement de voir une hyperactivité cérébrale. D'accord, parce que incarné, moi je le vois aussi évidemment pendant le sommeil, hein, on peut avoir Bien des sûr, bien contacts sûr. avec des incarnés qu'on connaît, quoi, forcément Bien aussi. sûr, mais tout à fait, ce qu'on appelle les songes, en fait, Oui, qui voilà, viennent oui, c'est ça. effectivement en songe. Ce que je différencie, moi, le rêve du songe, Oui, oui. on a le rêve, effectivement, qui est une libération d'une problématique donnée dans la matière, et puis on a le songe qui est une vraie rencontre dans l'astral. Et la différence entre le rêve, qui est une création du mental pour régler une problématique du quotidien, c'est que le rêve va s'étioler, alors que une vraie rencontre dans l'astral, elle va rester. C'est-à-dire, quand je dis elle va rester à vie. C'est-à-dire que Oui. 10, 15 ans après, on a la possibilité de se souvenir des Puis de toute moindres façon, c'est ce que détails j'allais de te dire, cette on s'en rencontre. souviendra forcément, ça va être ancré, Exactement. quoi. Oui, oui, Exactement. oui, oui. C'est un vrai ressenti, tout à fait. Ah bah David, on est connecté, hein. C'est bon ça, c'est bien, c'est bien. C'est C'est bien. excellent. Ah ouais, c'est bon. Excellent. Alors il y a une question, excusez-moi, parce que j'ai Une question coupé. sur les de Steph sur les Oui. anges. Ces Oui. anges ne sont-ils pas aussi des esprits dont l'autorité morale, donc plus protectrice, est encore plus forte qu'un guide? Bien sûr. Bien sûr, je confirme ça. Je confirme ça. Et alors, je vais la faire, mais c'est une petite blague. Il y a un ange par couleur de cheveux, et pour les roux, il s'appelle Oliver. Ah, Et c'est parce bon qu'on dit ça. que Ah on oui. dit que l'ange Oliver protège les roux. Ouais, c'est Et roux, ça, c'est bon ça. Ah oui. je la fais J'aime toujours en bien, atelier. moi. J'adore, j'adore, ça m'éclate. Ouais. Voilà. Donc, non, mais oui, il a complètement raison, Stéphane. Bien sûr, Steph, il a complètement raison quand tu dis ça. Complètement raison. Où est la raison? Je sais pas si c'est Steph ou Stéphane ou Stéphanie d'ailleurs. Non, je ne sais pas. Il y a Bon, deux Steph, Stéphane, c'est pour voilà. ça. Et il y a Oui. un autre Stéphane, voilà. Oui. Et l'autre Voilà. Stéphane demande, est-ce que tu as réussi à capter des personnes qui se sont déjà réincarnées? Est-ce possible ou est-ce une Oui. mémoire? Oui, alors c'est intéressant la question dont elle est, parce que j'en parle un peu dans le livre. On parle de conscience informationnelle et conscience réactive. Et j'ai une amie qui s'appelle Emma Johnson qui a sorti un livre sur les vies antérieures chez Jouvence, c'est Ah, pour tu ceux qui ont connais lu le Emma? livre. C'est marrant Hein. ça. Ah On ben a fait au moins une oui. vingtaine d'émissions avec elle. Eh ben voilà, donc Emma, qui est une Qui amie, connaît les runes et tout donc ça. Qui... elle connaît tout ça, Emma, et Ah donc ouais, on a c'est fait une bon ça. expérience ensemble, Oui. et Emma m'a soumis un petit test, donc avec des personnalités qui sont disparues depuis plus de 500 ans, et je les ai eues. Mais en fait, à la différence, malgré tous les détails que je lui ai donnés, parce qu'elle le raconte dans ce livre des vies antérieures, tous les détails historiques que j'ai pu donner dans les relations entre Thomas More, Thomas Cromwell, Anne Boleyn, Elisabeth, Richard, etc., etc. Donc, sans savoir qui c'était, évidemment, en fait, on a pu retisser des choses et avoir des détails très précis. Cependant, ils n'étaient plus en lien de façon aussi interactive. C'est-à-dire que j'avais l'impression quand même d'avoir affaire à une mémoire. Donc, je savais qu'ils étaient réincarnés, mais j'avais l'impression d'avoir affaire plus à une mémoire qu'à une conscience réactive. Donc, je parle de conscience informationnelle. Et on m'a dit, d'ailleurs, ce week-end, on m'a dit, mais alors, c'est les annales akashiques? J'ai dit non. Les annales akashiques, il y a toutes les informations dans les annales akashiques. Et là, je n'avais pas toutes les informations. Donc, je dis, je reste quand même sur une conscience subjective qui a des traits de caractère bien précis, mais qui n'est pas reliée aux annales akashiques, qui n'est pas la vie complète de la personne. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez Merci beaucoup particulier comme pour ta expérience. réponse, hein, David. Oui, non, Mais c'est intéressant. je t'en prie, Alors, juste une c'était un petite super test. parenthèse, parce que c'est bien que tu en parles, une parenthèse par rapport, donc, pour les auditeurs, les personnes qui veulent écouter les émissions de Emma, justement. Il y en a une trentaine à peu près. On en a fait beaucoup, beaucoup avec elle. Donc, n'hésitez pas. Il y a les émissions, il y en a deux sur les runes. Il y en a une sur, justement, le voyage astral, les songes. On a fait des émissions sur Anne Boleyn, le comte de Saint-Germain, C'est Nostradamus. ça. Donc, il y a de quoi faire avec Emma. Vous pouvez y aller, hein, les amis. C'est dans les C'est podcasts.
Donc voilà. C'est excellent. C'est Ah oui. excellent. C'est bien que tu en parles, Et David, tu vois, c'est bien. oui, non, mais c'est un petit milieu, hein, tu sais, tout le monde se connaît en Oui, fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tout vrai. le monde se connaît en C'est fait, c'est clair, ça. ouais. C'est excellent. C'est Dis-moi, excellent. est-ce que tu pourrais nous parler de ce que l'on appelle les maîtres ascensionnés? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est très Oui. flou, en fait, parce que bon, voilà, c'est pas facile de bien expliquer tout ça, Alors, si tu veux. tout ce qui est maître ascensionné, on va se relier à tout ce qui est énergie. Il y a quand même un côté religieux dans le côté maître ascensionné. Il faut faire attention, D'accord, effectivement, ok. parce qu'on a tendance à associer toutes les énergies sur un même plan. Et j'allais dire, je vais prendre un exemple très concret, on va parler de Jésus. Jésus, pour beaucoup, Jésus est le Christ. Alors qu'en fait, Jésus est une des incarnations de l'énergie christique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'avant Jésus, il y a certainement eu d'autres incarnations christiques, et Maître Philippe était une des incarnations christiques. Voilà. Donc, c'est hyper important de faire très attention à ça, parce qu'on a tendance à associer effectivement un Ouais, c'est ça. personnage avec une énergie. Et est-ce que Et c'est tout Saint-Germain, à il en fait partie, tu penses, le comte de fait. Saint-Germain? Maître Saint-Germain en fait complètement partie. Ah oui, On est d'accord. complètement d'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que, en fait, il y a ces énergies qui sont là, qui ont été représentées, entre guillemets, par des êtres de chair et de sang. Et pour le coup, c'est extrêmement important de faire attention, de ne pas faire un mélange. Donc effectivement, ils sont venus, j'allais dire, le Padre Pio, on peut aussi le mettre dans les maîtres ascensionnés, puisque effectivement, il a vécu cette incarnation christique au sens large du terme, avec jusqu'au stigmate Le curé d'Ars. et le curé d'Ars, tout à fait. Mais c'est ça qui est important, je pense, que c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre une énergie et les personnes qui l'ont représentée. Et dans les maîtres ascensionnés, on a une représentation physique, en fait, de ces énergies divines qui viennent dans la matière pour faire passer ce message d'amour, de fraternité, de respect, de partage. Et c'est ça qui est important, en fait. Ce sont des âmes qui ont une évolution spirituelle, j'allais dire, suffisamment large. Je Oui. ne vais pas dire supérieur, j'aime pas ce mot de supériorité, mais je vais dire suffisamment large pour accueillir en fait les informations que peut contenir une conscience telle que l'énergie christique. Donc, toutes les personnes incarnées hein, sur Terre, comme Jésus, Bouddha, par exemple, ça en fait partie Oui, aussi, certainement. on est complètement d'accord, complètement d'accord, complètement Ok. d'accord. Et d'ailleurs, on retrouve différents types de Bouddha, hein. Il y a le Bouddha rieur. Il y a différents types de Bouddha qu'on peut offrir. Il y a le Bouddha de l'abondance. Voilà, il y a différents types de Bouddha. Donc, la preuve qu'on se relie quand même à des énergies différentes. Le Bouddha rieur qui amène la joie, le Bouddha de l'abondance qui amène plutôt tout ce qui est abondance de santé, abondance de bonheur. Voilà, c'est complètement différent. Ce sont bien des énergies. Moi, je le retrouve un petit peu dans ce que j'appelle les guides fonctions, tout ça. C'est très rigolo, mais je retrouve un petit peu ça dans ces espèces de valeurs de guides fonctions, vraiment. Merci David, parce que c'est très fluide, c'est très clair tes explications, donc vraiment c'est J'essaie, top quoi. j'essaie, hein. Ah non mais J'essaie. franchement c'est bien. Le Mais non mais plus tu sais, parce possible. que parfois c'est un peu alambiqué quand tu dis maître ascensionné, on sait pas trop, c'est flou Oui. quoi. Mais là bon voilà, Oui. c'est très compréhensible. Je sais pas s'il y a des messages sur le Alors, il y a des chat. Oui. questions. D'ailleurs il y a Encore Christelle au fait qui est Stéphane. connectée, la C'est modératrice de Christelle. Philippe. Salut Oui. Christelle. Elle est souvent là Salut aussi. Christelle. C'est Et bien. Estelle, t'as vu ce soir, je sors pas, Christelle. Il est là ce Un soir. petit message perso. Un petit Mais message perso, elle Christelle, va comprendre, elle va se marrer. Elle ah, va se c'est bon marrer. ça. Mais tu sais, elle écoute souvent les émissions, elle est souvent sur le chat, Christelle. Je Ça sais parce que fait j'ai eu plaisir. tout à l'heure, Ça j'ai eu fait tout à l'heure parce que plaisir. j'étais sur l'émission de Philippe tout à Oui, l'heure oui, oui. avec Antoine qui est une très belle énergie aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé Antoine tout à l'heure chez Philippe et vraiment j'ai rigolé parce que j'ai mis un petit mot. Je dis pour moi cette fois, désolé, je sors, faut que j'aille me préparer. Et Oui, elle a rigolé, voilà. elle dit bon David, tu sors parce que c'était mon nom du festival. Comme je Oui. faisais des grosses blagues, on me disait David, tu sors. Voilà. Et donc voilà, maintenant je suis Et David, tu maintenant sors. tu es là, mais tu sors quand même, et tu es là quand même. C'est ça. C'est bien ça. Voilà. Donc une question, Caro, et tu disais. Stéphane demande si tu as un genre de mentor. Est-ce que tu as une Oh là. préférence dans la façon de faire la médiumnité? Est-ce que tu Donc, es un gourou, David, un mentor? Est-ce que tu es une secte? Allez, on va y non, aller. non, Non. non. Est-ce Non, que tu non, non, pardon, as une excuse-moi. préférence pour une personne? Voilà. Ah, est-ce que Non, tu as un non. mentor? Ah oui, J'ai. j'ai Enfin, c'est compris ce comme que. ça que je comprends la Ah, question. d'accord. Tout à fait. Et alors, j'ai côtoyé beaucoup de monde et j'allais dire ce que je trouve important, c'est de pouvoir s'imprégner de chacun et de ressentir dans les personnes que j'ai rencontrées. Il y a des outils qui m'ont parlé, d'autres moins.
Et puis j'ai composé un petit peu ce qui me parlait. C'est-à-dire je récupérais chez chacun ce qui me parlait. J'ai côtoyé beaucoup d'autres médiums. J'ai démarré avec quelques grands médiums. J'en ai côtoyé d'autres. Et alors je dis grands médiums, je m'entends. Hein. Je veux dire des médiums médiatisés. Voilà, je préférais dire ce terme-là. Et aujourd'hui, non, je trouve qu'ils sont tous différents, encore une fois. Il n'y a pas une bonne personne. Je vais aimer un tel pour tel trait de caractère. Je vais aimer une autre pour tel trait de caractère. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le partage et le côté humain, la disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à jouer à moi, je suis le meilleur et pardon, concours de longueur de zizi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que je vais sentir ça, moi, je vais avoir tendance à partir, à m'écarter. Je suis quelqu'un d'extrêmement simple, extrêmement accessible. Les gens l'ont vu sur le festival. Je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un dans la vie qui aime se marrer, qui se prend pas au sérieux. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, je pense que c'est hyper important. Et j'allais dire, c'est pas parce qu'on fait de la médiumnité qu'on est au-dessus des autres, qu'on est une élite. Loin de là, vraiment loin de là. Donc, je pense que l'humilité et la Tu gratitude vas sont faire des mal à valeurs certains médiums, indispensables. David, tu sais, hein. C'est pas grave parce que je ne vise personne. Je dis juste que certains devraient retrouver ce côté humain, simple, bienveillant, et de ne pas penser qu'on est arrivé. Parce qu'en fait, on a tous des problèmes, on va tous travailler jusqu'au bout de notre C'est vie. ça, quoi. C'est Et pas je les pense que élites. l'humilité et la gratitude, pardon, sont extrêmement importants pour pouvoir avancer aujourd'hui. Non, on est d'accord. Ouais, c'est C'est sûr. extrême, enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, pas réellement de mentor. Il y a eu des vrais partages, des vraies belles rencontres. Encore tout à l'heure, tu vois, on parlait de Frédéric, on parlait de Christelle. Oui, voilà. Voilà, c'est des gens, mais ce sont Aline, des des personnes amours, comme quoi. ça, voilà. Aline, ce sont des amours. On a pris des bars avec Aline à la maison. Mais voilà, c'est vraiment, je crois que c'est ça qui est important. C'est pas de chercher à briller, tu vois, c'est ce que je disais, moi. Je cherche pas forcément, tu vois, les émissions de télé, les machins et trucs. Je m'en tamponne royalement. J'ai fait 25 ans de spectacle, télé, radio. Ça m'a, D'ailleurs, j'ai on a ça vécu en des belles commun. Tu sais que je rencontres. suis pianiste en plus. Alors, à C'est vrai, base. Ben oui. Quand excellent, j'ai lu c'est ton drôle bouquin, j'ai dit, ça. tiens, c'est marrant, quoi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est drôle. Et c'est là où tu te dis, bah voilà, tu découvres un monde. Et tu vois, de ce milieu, j'ai pas gardé tant. Bon, bah il y a Manine, effectivement, Geneviève, avec qui je suis très ami, évidemment, Geneviève Delpech. Ah Nous, bah, on d'ailleurs, si tu peux lui, Oka, lui passer le message, parce qu'on n'a jamais eu de réponse, si elle veut venir, elle C'est est la vrai, bienvenue. mais bien Alors sûr, j'espère qu'elle ne je nous a pas snobé, hein, je le dis quand même, j'espère que non, non, parce que on non, n'a jamais eu non. de réponse. Hein, donc Mais je voilà. vais t'expliquer, Manine, elle est débordée, elle a 80 Ah, je mails par comprends, oui. jour. C'est un truc de dingue, mais je lui passerai Mais une dis-lui, info oui, avec si tu grand veux. C'est plaisir. super gentil, vraiment. Et on aura l'occasion de venir à Rouen, de toute façon, à la librairie Lotus. Oui. Et donc, par la même occasion, certainement pouvoir faire une interview avec vous, avec Caro et toi, vraiment, vraiment. Donc, zéro problème avec ça. Mais c'est vrai que tu vois, là, elle revient encore. Tu vois, elle était partie sur l'enquête, sur ce qui s'est passé au péage, là. Donc voilà, Ah elle, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Faut savoir qu'elle aide aussi un orphelinat au Gabon. oui, c'est Elle aide une ça. famille aussi. Enfin, Non, c'est puis c'est une quelqu'un excellente extrême. médium, hein, franchement, Ouais, faut le ouais. dire, Et puis quoi. elle est débordée, Nîmes, parce qu'en fait, elle donne tellement. Moi, je la connais vraiment intimement et vraiment, on a beaucoup de partage. Et c'est quelqu'un que j'admire parce que sur le plan humain, en voilà une qui voilà pourrait se la péter et le fait pas C'est quoi. vrai. Vraiment, Bah, en tout cas, elle vraiment. passe souvent chez Nouria. Moi, j'aime bien, tu connais, hein, certainement, Ouais, Nouria, tu... Nouria, tout à fait, ouais, Ils sont très exact, bien exact. aussi là-bas. Moi, enfin, j'aime Ils beaucoup. bossent très bien, ils bossent très Ouais. bien. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des chaînes qui sont là, que ce soit radio ou YouTube, enfin, qui font un boulot extraordinaire pour Oui, éveiller les gens. c'est Et je me ça. dis qu'il y a un vrai réveil et qu'il y a quand même des belles choses qui se passent, Heureusement. vraiment, Donc oui, David, vraiment. merci pour lui passer le message. C'est très gentil, c'est Mais super. je le ferai. Et tu vois, dès qu'on aura fini l'émission, je lui enverrai un petit message Oui, en non, bon, disant, t'inquiète Nine, pas, si on tu a peux le temps. envoyer un petit message à Mickaël et Caro pour voilà. C'est Donc ça, mais gentil. ça se fera avec grand plaisir, vraiment. Merci. Alors, je ne Vraiment. sais pas s'il y a encore des questions sur le chat. Oui, Oui, j'imagine, alors hein. il y a une question. As-tu rencontré des phénomènes de hantise dans un lieu très chargé dans lequel tu n'as rien pu solutionner? Alors, non, parce que je m'estime pas ni passeur d'âme. J'ai travaillé avec un passeur d'âme, c'est-à-dire que moi, je fais le contact pour savoir pourquoi l'âme est restée. L'âme, pas la chanteuse, hein, on s'entend bien. Hein, non, Ah, c'est pardon, pas je la rigole. même, c'est sûr. Ça, c'est Mais. sûr. Donc, Mais bon, peut-être que je suis un ça sale gosse. s'intéresse à ça, on sait jamais. Je Hein. suis un sale gosse. Moi, j'aime bien, Bref. moi. Et donc,
Ce qui est drôle, c'est que dans ces lieux, c'est la prise de contact. Moi, je fais cette partie-là et après le passage d'âme, je ne suis pas habilité, je n'ai pas les compétences pour le faire. Et j'essaie surtout de comprendre et si besoin de convoquer les ancêtres pour essayer vraiment de pouvoir aider cette âme qui n'aurait pas trouvé un exutoire. Après, j'ai vu des lieux où effectivement, voilà, qui étaient extrêmement chargés. Mais encore une fois, moi, j'ai pas la main. Je m'estime ni exorciste ni nettoyeur, donc j'ai pas la main dessus. Il y a des gens qui le font super bien, et je préfère leur laisser la main dessus. Après, j'ai vu des choses, ouais, qui défient entendement, des déplacements d'objets, des portes qui claquent, des espèces donc qui passent devant nous. Ouais, ça j'ai vu quoi. J'ai vu. Mais c'est vrai que c'est moi, j'assiste plutôt dans le sens où je suis là pour communiquer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et après, je laisse la personne qui fait le nettoyage travailler, quoi, vraiment. D'accord. Bon, bah, demandez à Caro, elle a fait 3 émissions sur la purification et protection, comme ça, c'est. Ouais, Voilà. ça c'est top, hein, c'est C'est top, hein. top, ouais. Moi, je trouve que les gens qui arrivent à faire tout ça sont vraiment, voilà, sont vraiment faits pour ça, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire ça. C'est un boulot de titan, vraiment. Et c'est Oui, extrêmement épuisant. oui, oui. Extrêmement épuisant. Vraiment. Je Je C'est confirme. sûr, ça. Tu Ouais, confirmes, non, mais ouais. c'est. Fais attention, Caro, faut pas tomber dans les pommes tout le temps, faut faire gaffe, hein. Ah Même ouais, si ça on m'est a. arrivé qu'une Même fois, si. mais le pire, c'est que c'était en plein dans une piscine en plus. Donc, Ça, c'est con, super. Ah, ça. d'accord. Non, mais attends, l'abus de Ouais. mojito, c'est dangereux pour la santé, Caro. Ouais, Hein. c'est pas pareil. C'est ce que mes cousins C'est. ont dit, pourtant, je n'avais pas Exactement. vu. Oui, c'est vrai. C'est marrant. C'est Heureusement que c'est excellent. arrivé devant 30 personnes, parce que si Oui. j'avais été seule, je mourrais, je crois. Donc. Ouais, Mais ouais, oui, c'est faut faire gaffe, sûr, parce que, sûrement. effectivement, le danger, il est là aussi. Effectivement, il y a des C'est moments où ça, faut faire quoi. hyper attention. Ouais. C'est ça. Pas simple, pas simple. Il vaut mieux C'est tomber dans la ça. piscine que dans le barbecue. Ah oui, c'est Voilà. Mais mieux. c'était barbecue aussi, mais j'ai eu de la chance. Oui, alors ça va, t'es tombé du bon côté. Voilà, c'est C'est voilà, ça. c'est dans la piscine, c'est Oh, mieux, dis donc, c'est mieux. David, un bon Voilà. barbecue, là, ça donne envie avec des bonnes merguez et tout Oui. ça, là. Oh Ah là là. oui, une bonne petite bière bien Ah oui, fraîche, et alors puis là. les grillades en route, et tout va bien. C'est Exactement. le Voilà, tu bonheur, vois, c'est le bonheur. on est bien sur Terre, on Sauf est s'il y a bien. Caro qui tombe en plein milieu de la Non, non, piscine, ça ça va c'est aller. sûr. C'est Voilà. bon. Et on fait, et pour Caro, il Voilà, c'est ça. pipi C'est ça. Je suis sûre que c'est ce qu'il y a eu en plus. Ben, ils ont dû croire au départ que c'était certainement une blague ou quelque Oui, chose comme parce que ça, je suis quoi. rentrée dedans tout habillée. Ah oui, Ah d'accord, oui, oui, carrément, ben oui. oui, forcément. Oui, donc là, Oui. effectivement, oui, ça a dû. Enfin, moi, je me serais quand même posé des questions. Je me suis dit, bon, elle n'a peut-être pas fait exprès quand même, il y a peut-être un problème quand même. Ouais, Là, c'est ça. habillée, bon, quand même, je me serais posé des Voilà. questions. Oui. Alors, tu sais, David, il y a comment dire, une croyance un peu tenace qui dit que quand on est dans le monde de l'au-delà, tout est beau, tout est parfait, on détient la vérité, on connaît. Alors que non, tu es d'accord, il y a toujours Non. ce qu'on Il connaissait y a sur aussi Terre. des formes pensées. Voilà, les formes pensées, si Par tu peux en exemple, parler, c'est super. j'ai encore eu quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que ça, une dame qui a eu Alzheimer et qui est persuadée d'avoir encore Alzheimer. Donc en fait, elle est enfermée dans sa forme pensée de sa maladie et effectivement, elle croit encore être malade. Et on a beau lui expliquer, elle me dit, bah oui, la preuve, c'est que personne ne me parle. Elle me dit, hormis vous, personne ne me parle. Un docteur qu'elle me disait. Voilà, donc elle était restée en fait dans cette image, cette forme pensée. On voit un peu dans le film, alors j'aime pas en parler de ce film parce qu'il est un peu glauque, mais les autres de Nicole Kidman, puis je veux pas spoiler la fin non plus, mais Tu je connais trouve que ce Caro? film est un Parce que peu moi. et pas très lumineux. Je trouve qu'on aurait pu aborder le sujet différemment et Ah de façon oui, plus lumineuse. Je trouve que dans le film d'accord. Au-delà de nos rêves, on l'aborde de façon Toi, un tu peu plus préfères Nos lumineuse quand Solars ou même. quoi? Nos Solars, j'aime bien. Oui. Même si, pareil, le début est un peu dur à comprendre, parce qu'en fait, on met dans la notion de base astrale, on met une notion de peur, alors qu'en fait, on a surtout des gens qui sont en souffrance. Moi, dans mon expérience de mort imminente, quand j'ai survolé le base astral, j'ai pas vu de gens méchants, j'ai vu des gens qui étaient en souffrance, et j'avais envie de pleurer, de prier pour ces gens-là. Et quand j'en ai parlé à mon guide m'a dit, mais tu sais, la meilleure défense quand tu vas pas bien, c'est l'attaque, et c'est ça qui rend les gens méchants, c'est le manque d'amour. Et c'est vrai que quand on prend ça en compte, on se pose des vraies, vraies questions parce que on se Oui, c'est dit, ça. waouh, en fait, mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre du dogme? Qu'est-ce que le dogme a créé? Parce qu'avec les monstres, les démons et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on a mis en forme pensée? Parce qu'il y a aussi des formes pensées. Il faut savoir qu'on prend l'expérience de Philippe le fantôme dans les années 70 au Canada, où on a créé une entité, une vraie entité, hein, de A à Z, avec un nom, une femme, la façon dont il est mort, les enfants qu'il a eus, son métier, et il n'a jamais existé. Et ça a été créé, d'ailleurs, il y a un très bon livre, et il y a des vidéos, hein, sur YouTube de Philippe le fantôme, où on voit des manifestations spirites devant des scientifiques totalement ébahis, de cette entité qui n'a jamais existé finalement.
Donc c'est Donc les formes ça paraît pensées, dingue. c'est ça. Ce sont des formes pensées. C'est Donc dans l'idéoplastie en l'astral, spé... ouais, dans le spiritisme. exactement, Michael, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui peuvent rester dans des formes pensées et Oui. avec Ils cette sont. difficulté de pouvoir avancer. Ouais. Ouais, c'est dans leur bulle, quoi. Exactement, exactement. Non, c'est intéressant. Mais tu vois, dans nos salas, il y a plein, je sais pas, toi, de ton côté, mais moi, j'ai entendu beaucoup de monde, même à la radio, qui me disent, ah non, j'ai pas pu écouter plus de 5 minutes, c'est pas possible, Oui, c'est vraiment. parce que c'est. Alors après, évidemment, c'est romancé parce que Mais oui, c'est moi, le livre, difficile j'aime bien, par contre. de mettre en image. Voilà, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, le film, il est bon, au-delà des effets spéciaux un peu cheap, et encore le deuxième, voilà, qui va sortir en fin d'année. Oui, il va sortir, ouais. Voilà, il sort chez Jupiter en fin d'année. Le deuxième un peu cheap, par contre, le message est top. Parce que c'est vrai qu'on va vraiment voir comment travaillent les médiums, comment travaillent les guides. Je trouve que d'ailleurs, il s'appelle Les Messagers, le deuxième Nos Comme Solars. le livre, Et quoi. il est très bien fait. Il est très bien fait dans le sens où on voit pas mal de choses, on comprend pas mal de choses. Mais en même temps, c'est dur de mettre en image quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la matière. C'est ça, oui, j'imagine. C'est très, très Tu te rends compliqué, compte ça qu'il fait longtemps y que a j'ai 10 essayé. bouquins dans cette série de Nos Solars de André Mais Louis. c'est Alors, s'il y a ça. 10 fi 13 films, dis-moi non, 13 films, oui, Mais c'est ça. c'est ça. Alors qu'en fait, le film, quand on voit le 1 Nos Solars, il a battu des records quand même d'audience, quoi. Oui. Et c'est ça qui paraît dingue. C'est ça qui paraît dingue. On se dit, mais voilà, après, c'est toujours compliqué, les croyances qu'on peut avoir. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il n'y a pas une vérité, en fait. C'est ça. Il n'y a Puis pas une bon. vérité là-dessus. Il y a ce qu'on expérimente. Je me rappelle d'un petit papy qui me dit un jour, ah bah, je suis arrivé là-haut. Il me dit, bah, pas de nuages, et puis il n'y avait même pas de bonhomme en barbe blanche pour m'accueillir. J'ai rigolé parce que c'était drôle, parce que lui, dans sa croyance, il s'attendait à arriver au paradis avec Saint-Pierre, quoi. Donc c'est Évidemment, fou, oui. quoi. Bon, en même temps, on n'est pas au Brésil, hein, c'est pas les mêmes croyances. Eux, ils sont à fond, par On est bien contre. d'accord, on est bien d'accord, rien à voir, rien à Non, voir. c'est sûr. Là-bas, t'as des rues Allan Kardec, des hôpitaux et tout, hein. Amen, mais c'est ce que d'ailleurs, comment ça s'appelle, je suis en train de chercher Chigoravière a fait là-bas, c'est Oui. relativement énorme. D'ailleurs, on touche pas à Chigoravière là-bas, on Ah touche non, pas faut au pas y Brésil, toucher, hein. hein. Ça, non. C'est le premier qui dit que Chigoravière c'est un charlatan. Oula, je donne pas cher de sa tête, C'est quoi. ça. Parce que entre les hôpitaux, les écoles et tout ce qu'il a mis en place, parce qu'il a fait don quand même de tout ses droits Les pour faire orphelinats et construire, tout. voilà, c'est absolument grandiose de ce qu'il a Oui, fait, oui. évidemment, Il y a toujours évidemment. Divaldo maintenant. Il est toujours là, lui, Oui. Divaldo Franco. Il fait toujours des Oui. conférences. Il est très âgé, mais Divaldo il fait des Franco et conférences. puis Juscelino Dalous Oui, aussi c'est qui était venu ça. en France, qu'on avait Ouais. rencontré, Ouais, qui est très impressionnant aussi, hein, vraiment très ouais. impressionnant. Ouais, c'est vrai. Moi, On j'avais l'avait aussi reçu assisté. à la maison à Caen là, et on avait beaucoup échangé avec Juscelino et c'est vrai que c'était très impressionnant quoi. Oui. L'énergie qui émane de lui est très impressionnante quoi. Ah oui, c'est sûr, tu le ressens. Hein. Je veux dire, même moi, Ah, enfin, étant en voyant, je le ressens à fond, tout ça, vraiment. Hein, c'est. il est extrêmement impressionnant. Oui, oui, Juscelino, oui. c'est l'énergie qui s'en dégage. Il a fait un soin d'ailleurs, moi, à ma maman a été métamorphosée. Quand je dis métamorphosée, c'est Ah métamorphosée, oui, quoi. ouais, ça m'étonne Ah pas oui, du non, oui, tout. elle a fini en larmes alors qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. Non, mais voilà, ça Donc, c'est. Ce sont des bons médiums, mais là-bas, c'est différent, c'est sûr. ça n'a rien à Forcément, voir à quoi. chez nous, tout à fait. Non, non, Tout non. Bah on parle, mais ça se trouve, il y a plein de questions, finalement. Hein. On est à fait. dans notre truc, nous, ça y est. Excusez-nous, Caroline, vraiment, on est dans le truc, Ouais, c'est ça, quoi. Si on Voilà. est dans le truc, Désolé, c'est les amis, parti. on est bien, nous, hein, ça va. Hein. Donc, il y a Alix qui revient sur le thème des rêves. Bah oui, voilà. Bonsoir, Alix. Donc, Bonsoir, Alix. elle demande. Donc, rêver tous les soirs, qu'est-ce que cela veut dire? Des rêves avec tous entre eux le même thème ou le même sujet? Alors, effectivement, Alix, c'est très important. Vous abordez le thème des rêves. Et en fait, le thème des rêves, il est relié à la réalité. Donc, s'il y a un thème commun, essayez de regarder la symbolique du rêve. Donc, il y a des dictionnaires des rêves et quelles images sont utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que dans les images qu'on va utiliser, on va faire comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, de la trahison, quelque chose qui est à régler, une problématique qui est à régler. Donc, si c'est récurrent aussi souvent, si ça revient vraiment aussi fréquemment que ça, il y a vraiment à aller regarder la problématique et ça veut dire que la problématique n'est pas réglée. Alors, ça peut être intéressant parce que dans ce que je capte là, on me fait comprendre qu'il y a une problématique qui est liée à une colère en fait, une colère intérieure, une colère contre vous. Donc, c'est de trouver une forme d'apaisement. Donc, je pense qu'on vous envoie des images d'apaisement, des choses qui amènent à se poser. Donc, vous pourrez confirmer ou pas dans le chat ce que je vous dis, mais voilà, c'est ce qu'on me montre en fait.
Merci. Merci. Alors, il y a Christelle qui Merci. dit, quand Oui. est-ce que tu viens nous faire un merci, on vous écoute à Ajaccio? Dès que possible, Christelle, avec grand plaisir. Merci, on vous écoute. On devait le faire avec Fifi, hein, mais ils avaient eu une intervention, ils devaient repartir, etc. Ça avait été annulé au dernier moment. Mais ça va se faire, Christelle, avec grand plaisir, à Ajaccio. Par contre, pas pendant l'été, il fait trop chaud. Ah oui, il Et doit je faire ne super supporte chaud, c'est pas. Ah ça. non, mais moi, je ne supporte pas la chaleur. Moi, je vais plutôt au Québec. Ah oui, c'est pas pareil. C'est C'est pas pas pareil, pareil. c'est sûr. C'est bien que l'été, Montréal, 28 degrés, température ressentie 40 hein, quand même. Hein. Oui, oui, C'est oui. on sort de la douche, on est déjà mouillé. C'est C'est ça. voilà, donc c'est vrai que pour le coup, c'est Vaut pas mieux simple. geler C'est pas simple. l'Esquimau à là-bas que ça fonde ici, hein. Exactement. C'est beaucoup plus Ah, c'est simple. plus simple, oui, c'est sûr. Voilà, merci Alors, il y a ça va se Christelle. faire. Oui. Il y a une question de Sabine. En quoi ressentir les stigmates du Christ permet de s'élever vers l'énergie christique? Je ne comprends pas bien, car habituellement, on présente plutôt ces souffrances comme un acharnement par le bas astral pour décourager et détourner de la foi. Ah, c'est bon ça. Merci Sabine. Ça C'est très, se. très Ah intéressant la façon dont oui. c'est présenté. Après, c'est aussi une marque visuelle de l'énergie christique. Et on rappelle quand même que le Christ était venu, enfin, l'énergie christique était venue en Jésus pour montrer justement la souffrance du corps et la foi, la force de la foi en fait. Et j'allais dire, j'ai pas la sensation du bas astral, même si Padre Pio a été extrêmement attaqué, hein, effectivement, dans ses prières, dans ses moments de prière, dans ses moments de recueillement, etc. Il a vécu des attaques assez violentes. Voilà, mais je pense pas que ce soit le bas astral qui lui ait infligé ces stigmates christiques. Voilà. Dans ce que je ressens, je pense plus à l'énergie christique qui s'est matérialisée dans son corps et la souffrance qui a pu être là, c'est justement parce que l'énergie christique permet à la conscience d'être en lien avec quelque chose de plus grand, qui transcende la matière. Quelque chose qu'on peut d'ailleurs retrouver chez certains animaux. Je sais que ça va faire polémique, mais on peut retrouver ça chez certains animaux qui vont dans les abattoirs, qui sont détachés de la matière, qui viennent nous montrer à quel point nous sommes cruels avec le monde animal. Et Christelle dit, donc Oui. l'énergie christique vient expérimenter la souffrance quelque part. Alors, elle vient expérimenter la souffrance, non, pas l'énergie christique en elle-même, mais la personne vient expérimenter le pardon. C'est-à-dire, on voit par rapport à Jésus et les Romains, quand ils l'ont crucifié, c'est le pardon en fait qui en ressort. Et là, j'ai une pensée pour mon ami Michel Dourte. On est vraiment dans l'énergie du pardon, complètement dans cette énergie du pardon, justement dans le détachement de la matière et dans le grandissement de la foi. Voilà, parce que n'oublions pas, il y a le corps, il y a la souffrance du corps. Mais si on reprend les traditions chamaniques, les gens qui marchent sur le feu, les fakirs qui marchent sur des planches, la douleur, ils ne l'ont pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la douleur corporelle qui peut être transcendée. On a aussi des témoignages durant la Première Guerre de soldats qui marchaient sur des mines, la jambe était arrachée, tant qu'ils ne regardaient pas la jambe, ils avaient pas mal. Et quand ils regardaient la jambe arrachée, ça y est, ils prenaient conscience et la douleur était là. Donc, il y avait une espèce de conscience à partir du moment où ils voyaient la douleur. Donc, Oui, ça aussi, c'est intéressant. ça C'est un aussi, point oui. aussi à aller Oui, explorer. c'est vrai. En tout cas, c'est bien, merci. C'est des bonnes questions, les amis, sur le chat. J'aime Ouais, bien, moi. c'est très intéressant. Oui, Vraiment, oui, c'est très oui. intéressant. C'est Il y des en a. questions profondes C'est et c'est ça. bien parce que ça fait cogiter. Alors évidemment, Mais comme oui. je dis, je prétends pas détenir la vérité, mais dans les expériences que j'ai pu voir et dans les échanges que j'ai pu avoir avec certains prêtres aussi, puisque mine de rien, il y a des prêtres qui nous parlent, cachés, mais Ils vont pas le encore là dire, mais ils sont là dernièrement. quand même, oui. Alors, c'est très drôle parce que je me suis retrouvé à Paris dernièrement. J'étais faire une dédicace à Paris. C'était la semaine dernière, mardi dernier. Et dans le train, à côté de qui j'étais assis? Eh ben, une bonne sœur avec qui nous avons parlé de médiumnité, de Ah mais spiritualité c'est durant le intéressant trajet. ça. Mais Ah c'était oui. très drôle. C'était très drôle et j'ai trouvé ça très drôle. Et notre Attends mais comment échange c'est était venu? Pardon, extrêmement. excuse-moi Ça me fait ce. penser à ton exercice dans le livre. Ouais, Ben mais c'est oui, ça. C'est c'est exactement marrant ça. ça. Et Ben oui. en fait, bah, je suis arrivé dans le train. Donc, numéro de voiture, numéro de place. Et la Oui. sœur avait l'autre place à côté de moi. Et on s'est retrouvés D'accord. côte-côte. Et d'un seul coup. Bah, j'avais des maux de tête et je lui dis, bah, excusez-moi, j'avais fait un vilain torticolis, je m'étais mal couché et j'ai dit, excusez-moi, ça sent un peu le camphre, je m'excuse vraiment, voilà, j'ai mis un peu de camphre dans mes cervicales pour, enfin, du baume du tigre, pour pas citer la marque. Et voilà, et j'ai dit, donc, elle me dit, ah, c'était ça, cette odeur et tout. Et à un moment, je dis, je vais faire autrement et je sors, en fait, j'ai une petite fiole qui a été bénite par un ami prêtre, etc., avec de l'eau au Mont-Saint-Michel, enfin, bref. Et elle me voit sortir ça, elle me regarde.
et je mets mon intention avec l'eau, etc., etc., pour passer mon mal de tête. Et elle me regarde, elle me dit, mais vous avez eu ça où? Et on commence à échanger. Et on est parti, en fait, il y a eu 2 heures et demie de voyage et 2 heures et demie d'échange. Voilà. Et à la fin, on s'est salué, elle m'a dit, je prends votre nom parce que j'ai beaucoup aimé échanger avec vous. Ça, c'est bien, hein, vraiment, je Mais trouve c'est ça génial. super Mais intéressant, ce n'est quoi. pas la seule, ce n'est pas la seule, hein, vraiment. Hein. Il y a des prêtres à qui j'ai l'occasion d'échanger sur cette médiumnité. Je leur ai dit, mais venez en civil et venez voir une séance. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, oui, c'est les démons, les machins. Mais est-ce que vous pensez que des démons ou des entités du bas astral, entre guillemets, viendraient, entre guillemets, réconforter des gens? Quel est C'est l'intérêt ça, apporter des pour bons des entités messages. du bas astral, C'est apporter ça. des beaux messages Ouais, je pour suis d'accord. soulager des voilà, comme disait Philippe Ferrer encore ce week-end, il dit, t'es un extraterrestre, mais en plus on voit les gens, après ils sont bien. Oui, c'est C'est-à-dire que tu as ça. des détails qui leur permettent en plus d'aller bien. Donc je ne verrais pas l'intérêt Oui, mais ils d'une sont contradictoires, entité. David. Dans l'Église, ils sont contradictoires parce qu'on peut Ah ben s'adresser quand oui. même aux saints. Donc, c'est quoi? Enfin, je veux dire, les saints, c'est quand même pas. Voilà, c'est de la médiumnité aussi pour. Mais Tu vois ce que je c'est veux une dire? forme de médiumnité, de Ben canalisation, on oui. est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Mais c'est quelque chose que l'Église ne maîtrise pas. Et si d'un Voilà. seul coup, on commence à dire que tout le monde peut y avoir accès, ça devient embêtant. Ça devient embêtant parce qu'on n'est plus dans la soumission qui a été créée au Moyen-Âge, comme quoi il fallait payer sa place au paradis. Et c'est ça Oui, c'est la ça. grosse problématique. Alors qu'en fait, Nicole Dron le dit très bien, je fais des gros bisous à ma Nicole, Ah bah elle mais écoute souvent en vraiment, plus, Nicole. C'est bien ça. elle aura l'occasion, je fais des gros gros bisous à ma Nicole et je suis content qu'elle ait lieu vraiment. Et vraiment, quand elle dit comment as-tu aimé, comment as-tu aidé, parce que dans mon expérience de mort imminente, c'est aussi ce qu'on m'a demandé, comment as-tu aidé, comment as-tu aimé. On ne m'a pas demandé autre chose, si j'avais une Rolex, une piscine ou quoi que ce soit, ils s'en foutent. Et c'est ça la clé. Et je pense qu'à partir du moment où on se comporte bien, parce que j'ai des gens qui me disent oui, mais il y a des gens, ils vont jamais à l'église. Je prends les agriculteurs qui n'ont pas le temps parce que des fois ils ont la traite, ils ont les céréales, ils ont tout à faire. Mais je dis, ces gens-là ne sont pas spirituels. Ils font à manger pour le plus grand nombre au détriment de leur santé, au détriment de. Ils ne sont pas spirituels. Les artisans qui construisent des maisons, qui se fatiguent, qui se détruisent les épaules, les genoux, le dos, etc., pour mettre des familles entières à l'abri, ils ne sont pas spirituels. Bien sûr que si. Et ce n'est pas en allant à l'église tous les dimanches qu'on est spirituel. On se salue dans l'église, dans les mosquées ou ailleurs, on se serre la main, la paix du Christ, que Allah prenne soin de toi, etc., etc. Et dès qu'on sort, t'as vu la tête qu'il a, lui, t'as vu Déjà, comment dès il est qu'on sort, on va habillé? boire un coup au bistrot en Ah, face. c'est. Oui, en plus, oui. Déjà, c'est pas Alors mal, ça, ça, déjà. Michael, non, ça, Michael, c'est normal. C'est Mais parce que le justement, curé, c'est il pour boit. ça que je le dis. Oui, c'est Le ça curé que. boit tout seul. Le curé boit Voilà. tout seul, il partage pas. Donc, Exactement. il nous donne le bout de pain, mais on n'a pas le droit de Voilà. boire un coup. Nous, on y Et va après. donc, donc, il va Voilà. après. Mais c'est ça. Et je trouve ça dommage, parce que je me dis, si on va. Moi, quand je vais à la messe, c'est pour aller à la messe. Vraiment célébrer quelque chose, me retrouver dans une énergie. J'ai eu l'occasion de voir une messe du Père André-Marie à Croix-Rault et vraiment, il y a une intention, il y a un partage, il y a des paroles saintes et tout le monde est vraiment dans une phase de Oui, je suis communion. d'accord. Bah, On d'ailleurs, est, André-Marie on qui est. va faire une émission bientôt. Hein, je salue parce Mais que. c'est un amour, Oui, oui. cet homme est un amour, c'est un saint. C'est Et ça. vraiment, ce qu'il fait, c'est énorme avec le Père Pedro. Ils font un travail Oui, gigantesque. c'est vraiment bien ce Vraiment, qu'il fait. vraiment, vraiment. C'est vrai. Non, mais puis même de réciter par cœur des mots, finalement, qu'on ne comprend pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Il Sur y a lesquels on ça ne met pas aussi. d'intention. C'est l'intention Sur qui lesquels on ne met pas compte. d'intention. Voilà. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Je suis Déjà, à d'accord. l'époque, Kardec le disait, hein, dans l'Évangile selon le spiritisme, donc il en parlait Oui. de ça. C'est ça. C'est complètement ça. Donc c'est super important, vraiment. Oui. Alors, est-ce qu'il y a Alors, d'autres il y a des questions? questions Oui. encore, hein? Allez, on y va, Bon, c'est mais parti. alors. Il y a Freddy qui te dit bonsoir et il t'a vu samedi à Lille chez Sandrine. Enfin, il a parlé de sa maman et des orbes dans sa maison. Voilà, c'est Oui. le petit coucou. Eh bien, coucou Freddy, merci. Et bon souvenir effectivement de Lille. C'est très intéressant. Alors, question de Stéphane, est-ce que le bas astral existe comme un enfer ou est-ce que chacun crée son propre enfer? C'est très Chacun, connoté religieux. ouais, c'est chacun crée son propre enfer, évidemment. Après, les sphères de conscience, de souffrance, elles sont recoupées, effectivement, parce que les gens ont des fois du mal à se détacher de la matière, de la colère, de l'ego. Voilà, donc c'est effectivement dans ces sphères-là qu'on va retrouver ces personnes liées à ce qu'on nomme le bas astral.
Oui, on crée Donc notre propre flemme. on se crée effectivement nos propres souffrances, Oui, c'est évidemment. ça, oui. Ah, bah c'est marrant, il y a mon amie Sorine et Fabienne. Coucou les amis, ça fait plaisir. Ah, coucou Sorine, Il y a coucou du monde, c'est Fabienne. bien, ça fait plaisir. Ah, bah oui, bah, Coucou, ça c'est bien. coucou. Ah On bon, a ah fait bon, ceci. des. Bon, on parle pas de ce qu'on a fait lundi soir, les Ah, filles, on est d'accord, faut hein. pas le dire, hein. C'est bon, C'est. quoi. On fait un bisou à Thibaut, spécial dédicace à Thibaut au bureau, donc à Seclin. Voilà, si jamais il écoute, il comprendra. Voilà, c'est bien ça. Bah, en tout cas, merci d'être là parce que bah, Sorine et Fabienne, elles font des émissions aussi avec nous. Donc, bah, ça fait bien plaisir, vraiment. Tu vois, tout le C'est monde, il y clair. a Christine. Alors, je ne sais pas si c'est une Christine qu'on connaît ou non. Bah, il y a du monde, c'est bien, ça fait plaisir. Merci, David. C'est cool, c'est cool. Bah, merci Voilà. à vous, parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours un plaisir de partager ces moments ensemble, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est là qu'on se dit, tu Alors, sais que la grande chaîne enfin, spirituelle s'agrandit, la famille d'âmes s'agrandit petit à petit, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. exactement, il y a des vraies ouvertures de conscience qui Oui, sont en train de se faire, oui, et oui, ça, oui, c'est oui. extrêmement Parce que là, tu important, parles de plein de extrêmement gens, je dis, ah important. ben attends, on les connaît tous, c'est marrant ça, on se Mais connaît, tout le c'est monde se connaît, quoi. Ben oui, c'est le ça, monde est quoi. petit, hein. Oui, Le monde c'est est vrai, c'est petit. vrai, oui. Alors, Caro, vas-y, c'est parti. Alors, il y a Betty qui te dit, donc elle t'a vu aussi le week-end dernier. D'accord. Elle a été bluffée. Et elle demande, est-ce Merci. que les personnes qui se suicident sont dans le bas astral? Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, hein. Attention, hein. Non, non, bien sûr, c'est. Mais non, c'est. On est Mais d'accord. certaines sont capables de transcender leur souffrance. La plupart du temps, si on se suicide, on part avec la souffrance. Mais il y a certaines qui sont capables de transcender la souffrance avant le départ. Voilà. J'ai le cas, un cas particulier. Alors, je ne peux pas citer le prénom de la personne, mais j'ai un cas très particulier. Et quelqu'un qui est parti en se poignardant dans le cœur, en disant, je sais pourquoi je pars et je vous aime, tout va bien. Voilà. Et qui, aujourd'hui, manifeste énormément de signes, soutient ses amis, etc., etc. Les gens qui peut-être que ses amis écoutent l'émission et c'est, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Oui, Donc, tu as raison de heureusement que le c'est pas le dire. cas de tout le monde. Tu as eu raison de le dire, Mais, parce que c'est une croyance de dire, ah non, mais ça y est, ils sont tous dans le bas astral, on ne peut plus les contacter, Non, c'est pas non, non, possible, mais non, non. non, 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 non. Attention avec ça. Non, Ouais, je encore une suis fois, d'accord, je il y a suis des croyances. d'accord. Il y a des croyances. Il faut faire C'est attention avec les ça. croyances. C'est Tout à fait. important, oui. Tout à fait. Il y a des questions, Caro, parce que moi j'en ai plein, donc Voilà. vas-y, hein, tu peux y aller. Non, pour l'instant, Non? Ah c'est bon, bah des tant mieux, c'est bon. coucous, Enfin, tant mieux des ou tant petits pis, j'en coucous. sais rien, mais. Ah, si, 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 il y a une question qui vient de tomber. Allez-y, hein, allez-y, Donc, de n'hésitez pas. Christine. Oui. Une question au sujet d'un rêve que j'ai fait qui était très intense et j'ai ouvert les yeux et plus rien. Et en refermant les yeux, j'ai repris au même endroit. C'était très intense et impressionnant. Alors, Christine, tout dépend si les images sont restées encore. Ce serait intéressant de savoir si les images sont encore là. Si elles sont encore là, on n'est pas dans un rêve, mais on est dans un songe. Ça veut dire qu'on est venu vous délivrer un message. Il y a une vraie rencontre avec un défunt ou avec un guide. Et on est venu vous donner, si c'était aussi intense que ça, c'est relié effectivement à un songe. C'était vraiment un vrai message. D'accord. Et Ah, donc, merci. effectivement, ça reprend là où ça doit reprendre. Évidemment. Oui. Merci Christine pour ta Et question. pour revenir sur le rêve d'Alix de tout à l'heure, elle dit merci pour la réponse. Le thème commun de mes rêves sont en rapport avec l'amitié. Je rêve de mes amis d'enfance, d'adolescence, de ma vie d'adulte, maintenant et dans des pays différents, tout en sachant qu'en ce moment, je n'ai aucune problématique actuelle d'amitié. D'accord. OK. Étonnant, ouais. Étonnant Ben, la colère que j'ai c'est. ressentie en elle, l'exigence et la colère que j'ai ressentie en elle, c'est bizarre. Ah C'est oui. assez étrange. Assez étrange, oui. Mais est-ce que c'est possible que ce soit justement des amis ou qu'elle aurait connu dans des vies passées, dans d'autres pays avec lesquels elle aurait été Possible, incarnée aussi? possible, possible. Et qui ont des liens avec cette Voilà. incarnation. C'est Ça, c'est. possible, ouais. C'est possible, ouais. C'est D'accord. possible. Et sinon, C'est tout pour à tes fait séances possible. Chris. médiumniques, est-ce que tu te protèges d'une certaine manière? Par exemple, tu utilises Ah, des les encens, des protections. bougies, les protections, voilà, ça c'est Alors, important aussi. les protections. Il est 22h24. On a le droit de citer le sponsor Tu peux y Durex. aller. Sortez couverts. Et Voilà. alors, pour les personnes plus âgées, Téna. Et c'est. Oh, le sale gosse. Oh, le sale gosse. Et on va avoir, vous allez pas avoir de CSA sur le dos. Ça va, tout va bien. Non, nous on n'a C'est. pas Ah de non, on dit filtre plus ici, tu CSA. On sais. dit Arcom. Pardon, désolé. Ah, Et c'est vrai, ça a changé, oui. pour le coup, ouais, c'est vrai que ça a changé. C'est, bah, ça permettait de mettre leurs copains. Voilà. Oui. Voilà. Ils avaient des copains à placer. Ils avaient de l'argent. C'est ça. Et donc, pour le coup, oui. J'allais dire, les protections, c'est hyper important. Moi, je travaille sans. J'ai longtemps
mis des protections, j'avais fait des ateliers, on me disait, il faut mettre ça, 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 je n'ai pas utilisé le terme parce qu'on va savoir de qui je parle. Et en fait, à un moment, je pouvais plus. Et à un moment, je dis à mon guide, mais je capte plus rien, il se passe quoi? Et mon guide me dit, mais attends, tu es plus sécurisé qu'un bunker. Et il me dit, mais en fait, tu mets des protections, pourquoi? Ben, je lui dis, parce qu'il y a ça, ça, ça. Il me dit, mais en fait, tu as peur qu'il y ait ça, 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 ça. Ouais, en effet. Et il me dit, donc en fait, c'est ta peur le problème, c'est pas la protection. Et il me dit, travaille sur tes peurs, en fait. Il me dit, si tu travailles sur tes peurs, est-ce que tu as encore besoin de protection? Et la seule protection que je vais utiliser, c'est l'ancrage, qui me permet d'être bien là dans mon corps, être aligné, disponible pour faire une communication médiumnique. Vraiment. D'accord. Bah oui, en même temps, c'est logique. La peur, c'est Alors, franchement, c'est. logique ou pas, hein, j'en sais rien. Hein. Moi, dans ma conscience, aujourd'hui, je travaille sans. Alors, les gens qui me disent, ah, t'as pas de pierre, t'as pas de machin, Ah t'as. oui, maintenant, il faut en avoir. Voilà. Attention, hein. Oui, les pierres, moi, je dis pas non. Hein. Attention, hein, je dis juste que dans ma conscience, j'en ressens pas le besoin. Donc, voilà. Et la pierre, c'est quand même très scientifique, la lithothérapie. Parce qu'une pierre brute, vous la prenez dans la main, la pierre est poreuse, votre peau est poreuse. Et en fait, quand vous prenez une magnésite dans la main, vous chargez en magnésium. C'est de la science, c'est pas de la magie. Et ensuite, chaque couleur a un spectre lumineux en physique. Donc, on sait que nous aussi émanons un champ énergétique lumineux avec des couleurs. Et donc, en fait, ça vient compenser quand on choisit une pierre, on ne la choisit pas au hasard. On la choisit parce qu'en fait, c'est une couleur qui manque dans notre aura. Si on faisait une photo d'aura à l'instant T avant de choisir la pierre, on verrait que la pierre qu'on a choisie, en fait, correspond à la couleur qui est en carence, en fait, ni plus ni moins. Donc, en fait, c'est quand même de la science, tout ça, à la base. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Alors, Mais une pierre qui protège, oui. si, éventuellement, si tu as une pierre de 5 kilos que quelqu'un approche, tu lui fous dans la tronche, oui, ça protège. Forcément, Mais oui, ça c'est fait, tout, c'est sûr. quoi. D'accord. Il n'y a pas de rempart. Moi, je sais que, effectivement, j'ai mon rituel de la bougie parce que j'aime travailler avec la lumière et je pose une intention à ce que les messages justes arrivent Oui. aux personnes, que tout ce qui soit juste soit fait. Mais voilà, c'est tout. Je veux pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'après on attire, tu as raison, on attire ce qu'on pense quand même, quoi. Donc il faut essayer Mais on est d'être d'accord, c'est le dans le principe de loi positif. d'attraction. Donc, Oui, c'est ça, à ouais. partir du moment où on visualise que ce qu'on fait est juste dans le cœur, il n'y a pas de raison, quoi. Et puis, Oui. attention, parce que la plupart des thérapeutes aussi font des transferts. C'est-à-dire, quand on a des gens qui vont pas bien, on joue à Bob l'éponge et en fait, on récupère les charges des autres parce qu'on fait un transfert. Donc, c'est nous qui permettons ça. Si d'un seul coup, on ne permet plus, est-ce qu'on a besoin de protection? Je suis pas certain. Alors après, c'est pas une vérité, hein. Non, non, mais c'est ce Mais que tu ressens toi, et voilà, c'est ce que je ressens et c'est vrai que je travaille sans protection vis-à-vis de ça. Je me dis que ce qui doit être fait est juste et que voilà quoi. Enfin, c'est cette façon de travailler. Après, voilà, s'il y en a qui ont besoin de mettre des pierres, de faire des rituels, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai zéro problème avec ça, vraiment. Peut-être que c'est rassurant aussi, tu sais, je pense, hein, pour certaines Aussi, personnes, tu vois. moi, mon guide, il rigolait parce qu'il disait, ah, t'as pris tes breloques et tes gris-gris. Ah oui, d'accord. Donc, il me chambrait gentiment, quoi. Champignac, il me chambrait Oui. gentiment parce qu'il me disait, mais t'en as encore besoin de tes trucs là? Et voilà, il me faisait comprendre gentiment que j'étais à côté de la plaque avec ça, quoi. Mais pour moi, j'en avais encore besoin. J'en avais encore besoin. Oui. Donc, voilà, quoi. Après, il y a des cadeaux qu'on m'a fait, que je porte. Ce week-end, j'avais un bracelet, effectivement, avec une fleur de vie dessus. C'est un joli cadeau qu'on m'a fait quand j'étais à Oh, c'est Montréal, donc je l'ai sympa ça. porté. Voilà, donc. Mais voilà, je ne vais pas avoir, on ne verra pas avec des bracelets de pierre, des machins, des trucs, sauf si jamais un jour on m'offre, on dit tiens, je te fais cadeau, etc. Et je le porterai pour faire plaisir à la personne. Mais et encore, faut que je le ressente, évidemment. Mais voilà, mais je veux pas faire tout et n'importe quoi et puis rentrer dans une espèce de peur qui serait pas rationnelle, quoi. Non, non, c'est vrai, c'est pas le but, mais après, tu diras pas à quelqu'un qui aime bien se protéger ou qui ressent ça, mais non, faut pas le faire, évidemment, bah ça, c'est Mais normal, évidemment, quoi. évidemment, moi, à aucun moment, la personne, je lui dirais, voilà, c'est pas possible, quoi. Bien sûr. Alors, j'ai coupé les questions du chat encore une fois, deux fois ce soir, allez, on y va. Voilà. Il y a une question de Frédéric, qui Ah oui. demande comment prendre conscience de sa médiumnité. Ah, Ah, merci, ah, Fred. comment prendre conscience de sa médiumnité, Frédéric? Tout simplement. En la laissant venir à soi. Ne pas forcer. C'est-à-dire qu'en fait,
En médiumnité, on accueille. C'est l'état d'accueil qui est important. C'est ne pas forcer. C'est-à-dire que si ça doit se manifester, ça va se manifester à vous de façon spontanée. Donc, c'est ce qu'on explique dans le livre d'ailleurs. Hein. Vraiment, on va vraiment chercher des clés dans le livre pour comprendre et surtout pour comprendre comment accueillir. Parce qu'en fait, plus vous allez vouloir, moins vous aurez. C'est le principe de la loi d'attraction. Je veux égale je n'ai pas. Donc, en fait, on croit, entre guillemets, focaliser sur l'abondance. En fait, on focalise sur le manque. Et le fait est que quand je suis en médiumnité, j'attends rien, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, qui va être là, qui va venir, qui va pas venir, et j'accueille complètement ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Complètement. Et je pense que si la médiumnité doit se manifester à vous, elle va se manifester de façon spontanée, comme chez beaucoup de médiums, elle s'est manifestée d'ailleurs. Oui. Très Merci souvent. Fred pour ta question. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, il y a Sorine qui dit, pour moi, la protection est vraiment propre à chacun, pas forcément besoin d'accessoires. D'ailleurs, là où je te rejoins, David, c'est que quand on se sent aligné et que l'on ose être soi et être au clair avec ses limites, la protection se positionne d'office. On est d'accord. Complètement d'accord avec toi, Sorine. Complètement d'accord avec toi. Je confirme. Voilà. Complètement. D'accord. Complètement. C'est très juste. C'est complètement juste. Dis donc, David, ça te dit un jour qu'on fasse une émission avec Sorine, Fabienne, plein de, voilà, tous les amis, là, Ah, ça ce serait serait fun. Ce serait super sympa, hein. fun. Sorine, je Ah, sais que ce tu seras serait fun. partante, je la connais, Sorine, je sais très bien qu'elle est toujours partante pour Ce des serait émissions. très fun. Très, Ça très fun. pourrait être sympa, tu vois, d'échanger comme ça, justement. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, si c'est Avec bon des pour questions-réponses exactement, des auditeurs, c'est ça. ça pourrait être Chacun excellent. Vraiment, donne son vraiment. avis, on partage et voilà. Donc C'est voilà, les ça, amis, c'est bon complètement. pour David aussi, donc c'est parfait, tout va bien. Ça va être génial. Oui, Ça va être oui. génial. Un Alors petit est-ce moment qu'il... magique. Oui, une bonne soirée. Alors, il y a Freddy qui dit, quand je communique avec ma mère ou mon père ou pendule avec l'alphabet, je n'ai pas de protection. En plus, ça coûte cher. Ah oui. Hey, hey, Oui. hey. Alors, tout dépend effectivement dans quel état vous le faites. Voilà. Encore une fois, tout dépend si vous êtes fatigué, si vous êtes disponible, si vous faites après la journée de boulot, si votre conscience est, entre guillemets, en état de le faire, si votre niveau énergétique vous permet de le faire. Voilà, il y a tous ces paramètres. Parce que si on est fatigué, on ne fait pas de médiumnité. Moi, quand les gens me disent, attendez, vous pouvez pas faire un cinquième rendez-vous. Non, je fais pas un cinquième rendez-vous dans la journée. Et des fois, j'en fais trois et j'en fais pas tous les jours. Parce que il y a aussi un respect des gens qu'on reçoit, d'une part, et deuxièmement, parce qu'il ne faut pas faire à fond, quoi. Parce qu'on n'est pas là pour faire à fond, ça ne sert à rien. C'est pas utile, je pense que c'est pas utile. D'accord. Donc Sinon, c'est faut faire David, attention à ça. est-ce que toi tu Alors, utilises le pendule? Ah, il y a plein de questions. C'est bah, dingue ça. il y Vas-y, a vas-y. Fabienne qui Excusez-moi. rajoute. Pour moi, la protection peut être impactée par les émotions, les pensées et les schémas. Il est donc important pour moi de vérifier et la travailler, car elle évolue en fonction de notre propre évolution. Exact, exact. Encore une fois, ça nous appartient. C'est Encore une ça. fois, ça peut venir de nous, de nos propres schémas, de nos propres peurs. Complètement. Merci Fabienne. Merci. Merci Fabienne qui a Fabienne. fait une belle émission d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'était vraiment très bien si vous voulez aller l'écouter, hein, Fabienne Casabianca. Par contre, 4h10 exactement, je suis précis d'émission. Hein. N'hésitez pas les amis. Vache, Ah bah oui, on a 4h10. passé du temps, nous quand on est bien, tu sais, voilà quoi. C'était top, vraiment. Voilà. Excellent, excellent. Sinon, oui, alors dis-moi, est-ce que tu utilises le pendule ou non? Est-ce que par ça t'arrives de Non, l'utiliser? Non, pas du tout. non, non, D'accord. j'utilise le pendule humain ou alors j'utilise mes Oui. doigts en fait pour comme des baguettes. En fait. Voilà. D'accord, Quand j'ai d'accord, besoin de d'accord. mesurer l'ouverture d'un chakra, etc., d'ailleurs, on va le faire. On a un atelier magnétisme ce week-end, là, samedi, près de Caen, là, et effectivement, on utilise les doigts pour le faire, ouais. Pour mesurer les champs énergétiques des gens, ouais, pour voir comment les chakras résonnent. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la communication avec la Ouija? Parce que tu as des médiums qui l'utilisent aussi, hein, bien sûr, Ouais, c'est moi bien. je suis Qu'est-ce pas que... fan T'es parce pas fan? qu'effectivement on rentre dans un appel et l'appel me gêne. D'accord. Oui, tu laisses L'appel me gêne venir, parce comme que tu le j'estime disais que tout à l'heure. Ouais. je laisse venir. Je n'aime pas appeler des expériences où on a essayé d'appeler parce qu'on a fait quelques bêtises quand on était un peu plus jeune avec le spiritisme et le Ouija, ça donne pas des bons résultats. Voilà. Ce n'est pas des D'accord. bons résultats et les messages sont rarement des messages positifs ou alors on perd beaucoup d'énergie et on voit bien qu'il y a quelque chose de pas juste là-dedans. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Mais après, oui, c'est toujours comme tu le disais, hein, c'est selon son ressenti aussi, quoi.
Il y a ça aussi. C'est ça, c'est ça. Mais il y a tellement de manières aussi de communiquer, de percevoir, quoi. C'est ça aussi. C'est ça, c'est ça. Après, chaque médium a sa technique, hein. Il n'y a pas une bonne manière de percevoir. Il y a celle qu'on va utiliser. Après, s'il y en a qui arrivent à bien maîtriser le Ouija et à le faire, c'est voilà, c'est chouette, quoi. C'est chouette, Oui, quoi. oui. C'est au contraire, au contraire. Mais c'est ça qui est bien, justement. C'est sûr, ça. Oui. C'est tout est là parce que nous sommes différents, effectivement. Et oui. Ah, il y a des messages encore sur le chat. C'est bien Il ça. n'y a plus de questions, non? Alors, il y a Fabienne qui répond, David. Merci, Fabienne. Partante pour une émission tous ensemble. Mais Mickaël prévoit une journée pour le coup. Oui, avec tout ce qu'on aura à raconter, oui, tu m'étonnes, c'est sûr. C'est ça, Donc, à mon avis, ça va être long. c'est Ça ça. Bon, bah, c'est bon. va être Ils sont long. partants, tant mieux, c'est bien. Ça va être Voilà. excellent. Oui. Excellent. Écoute, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Caro, dis-moi. Ou si tu en as Non, pour toi, parce que bon, en l'instant, même temps, il n'y en a pas, non. d'accord. Il n'y en a pas. Ben, si tu veux bien, on peut rappeler, parce que là, on a parlé bien sûr de ton dernier livre, hein, Tout que à fait, j'incite tout à fait. les auditeurs à le lire d'ailleurs, bien sûr. Découvrez vos pouvoirs de médium, mais est-ce que tu pourrais nous parler ben, brièvement hein, des autres livres, au cas où les personnes voudraient te connaître un peu mieux? Alors, tout à fait. Donc là, il y a eu, puisque celui-ci est le sixième livre, donc il y a Oui. les trois premiers livres, c'est une trilogie, merci, qui d'ailleurs va être refondue complètement. Donc les livres vont plus être disponibles. D'accord. Donc on va travailler dessus. On va refondre en un seul livre qui s'appellera Merci. Ah, c'est bien ça. Et donc, parce que c'était merci, le premier c'était Merci, témoignage, message et témoignage de l'au-delà. Le deuxième c'était Merci, plus près de vous. Et le troisième c'était Merci, révélation. Et donc, en fait, là, on va refondre les trois. Donc, ça sortira chez JMG Édition début 2025. Donc, voilà. Ouais, c'est une Et trilogie, c'est bien ça. après, voilà, c'est une trilogie. D'accord. Le quatrième, c'est Comprendre et pratiquer la médiumnité, qui était chez JMG Édition également. Le cinquième, c'est Terre 2030, un ange galactique, qui est sorti en juillet 2023, donc chez JMG Édition. Et ce sixième, Découvrez vos pouvoirs de médium chez Larousse. Donc, voilà. Avec, voilà, c'est là où on parle de médiumnité. Et il y aura donc chez Très Daniel en début d'année un oracle qui s'appelle La Voix des Guides qui va sortir, alors qui est un oracle assez moderne. C'est ce qu'on a vu avec l'éditrice de chez Très Daniel, Cathy Séna. On a regardé ensemble et c'est vrai qu'on a fait quelque chose d'assez différent de ce qui se fait pour justement proposer des clés parce qu'il faut savoir que c'était un jeu qu'on avait fait nous en auto-édition à l'époque il y a 7 ou 8 ans. Il y a 36 cartes aujourd'hui, il y en a 54 donc il a été agrémenté. Illustré, il y a un livret, et à l'époque, on avait vendu 1200 exemplaires, je crois, sans diffusion ou rien, et beaucoup de thérapeutes l'avaient utilisé, en fait, parce que ça répondait à des clés, et on l'utilise encore, on l'emmène quand on a des ateliers, et les gens, en fait, on leur dit au départ de prendre une carte, de la prendre en photo, de lire le message, mais les gens sont au bord des larmes à chaque fois, parce que c'est la carte qui leur correspond, quoi. C'est-à-dire que ce jeu, Oui. On a vraiment, moi au départ, quand je l'ai canalisé, je me souviens, ça s'est fait sur 1 an et demi, je crois, et à un moment, je canalisais plus rien. Je dis, mais pourquoi je. Ils m'ont dit, ça y est, c'est fini. Et je dis, mais j'en fais quoi? Ils m'ont dit, un jeu. Et je me revois découper les boîtes à chaussures en carton, imprimer les trucs et faire un jeu. Et j'en ai fait quelques-uns et je l'ai passé à des potes. J'ai dit, bah, vous testez et vous allez me dire ce que ça donne. Et à chaque fois, ils m'ont dit, mais c'était la carte de leur problématique et comment le résoudre avec une affirmation en conscience pour travailler. Enfin, mais c'était un truc de fou, quoi. Et c'est à partir de là, on a décidé de le faire fabriquer et on avait tiré 200 exemplaires parce que j'ai dit en coédition, 200, c'est déjà bien. Et en fait, on a fait 200, puis on a refait 200, puis on a refait 400 et encore C'est bien 400. Et ça. finalement, on a vendu 1200 exemplaires sans diffusion, quoi. D'accord. Donc, Mais ça c'est représente quand quoi, cet oracle, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? bah, en fait, on va travailler sur toute une partie de nous, en fait, de notre problématique actuelle. Le but étant de comprendre, d'avoir la compréhension de la problématique actuelle et surtout de pouvoir la résoudre. Attends, je vais te donner un exemple, comme ça va être en direct. J'en profite qu'on soit en direct. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir ça? Montage définitif, ici, ben, je vais ouvrir Word. C'est bien, je suis sur l'ordinateur, tu vois. Donc, comme ça, on va avoir une explication. Mais le but étant vraiment d'aller creuser une problématique donnée. Par exemple, on va prendre la première carte. Alors, hop, qui m'ouvre le document parce qu'il y a tout le livret explicatif juste avant. Je fais défiler la page. On est en direct, au moins, C'est c'est ça qui est bien. bien, c'est qu'on sait qu'on est en direct, tu vois, ça c'est Ah, bien. bah, ben, ça, c'est, voilà. Une page de pub maintenant, au moins 30% sur les Knakierta. Ah oui, Voilà, toujours de la pub, ouais, c'est ça. c'est, non, mais on va faire passer une pub, hein, il n'y a pas de souci. Alors, et voilà. Alors, tu vois, par exemple,
la carte abandon. Par exemple, tu tombes sur la carte abandon. Donc, la carte est décomposée en trois parties. Donc, tu as la partie signification, la partie message et la partie affirmation en pleine conscience. Donc, l'affirmation en pleine conscience permet d'être travaillée à la façon d'une mémoire cellulaire pour reprogrammer en fait la problématique. Donc, la signification de la carte, c'est des blessures d'abandon restent encore à travailler. Le message, donc vos guides attirent votre attention sur le fait que vos blessures d'abandon ne sont pas toutes réglées. Cela génère des problèmes relationnels, souvent en lien avec le sexe opposé. Il est important d'observer à ce moment si vous avez des difficultés à vous mettre en couple, peur d'être à nouveau quitté ou encore d'entamer un dialogue avec un ami proche. Il vous est alors recommandé d'intégrer pleinement le parent manquant, même si vous êtes en conflit avec elle ou avec lui. Et enfin, l'affirmation en pleine conscience va dire « Je suis en paix avec la lignée d'ascendant. Chacun est à sa place dans l'harmonie la plus parfaite. » Donc ça va être une phrase à se répéter pendant 21 jours. On va faire une reprogrammation pour aller travailler effectivement dessus. Et effectivement, D'accord. tous les thérapeutes qui l'ont utilisé ont eu des résultats, quoi. Donc, je me Oui, dis que oui. c'est bien parce qu'effectivement, on a la possibilité d'avoir la problématique du moment, de travailler dessus et de pouvoir dire ça, ok, c'est fait. Donc, on travaille en pleine conscience. C'est un jeu qui permet de travailler en pleine D'accord. Mais conscience. on tire une carte à chaque fois, c'est ça, hein? On tombe sur la Une carte à carte. chaque fois, Voilà, c'est une carte ça. par mois, c'est Oui, une par carte par mois. mois, c'est amplement suffisant. Voilà. D'accord, ah ben c'est bien ça. Alors si Voilà. c'est chez Très Daniel, tu sais qu'ils vont nous l'envoyer, parce qu'en général, ils nous envoient les bouquins, les oracles, donc si tu veux, C'est on pourra prévu. en C'est parler. prévu. Vous l'aurez en début d'année. Oui, il n'y a pas de souci. Ah c'est bien ça, c'est bien. Oui, bah C'est comme ça, on prévu. pourra en parler ensemble, c'est... Et puis, on Ouais, a un super c'est bien. illustrateur, Alec, Oui. qui à la base est tatoueur. Et donc, en fait, on a essayé de relever un challenge pour faire un truc très moderne. Donc, dans l'illustration. Et c'est vrai que c'est très moderne. Vraiment, l'éditrice, quand elle a vu, elle a dit, waouh! Elle a dit, je valide à 200% le truc, quoi. Parce qu'on a été chercher quelque chose d'assez. On a un peu cassé les codes. Dans les illustrations, c'est très sympa. Et je suis très content qu'Alec ait fait ce boulot, vraiment. Oui, c'est bien ça. On en parlera, David. Merci beaucoup parce que là, tu nous Avec l'en... grand en plaisir. avant-première, tu nous expliques déjà une carte. Ça fait plaisir. C'est C'est bien. ça, c'est Ça, ça. c'est Petit bien. C'est cadeau. bien. Ouais, un petit Petit cadeau. cadeau. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi des ateliers que tu proposes, comment ça se passe, quels sont les thèmes, comme ça, on pourra un petit peu savoir pour les auditeurs si ça Tout intéresse. à fait. Alors, en fait, on travaille sur différents points. On fait des ateliers magnétisme où on va travailler surtout sur la causalité de la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on part toujours de l'astral. C'est-à-dire qu'en fait, notre but est de comprendre pourquoi la problématique est arrivée. Parce qu'on peut soigner un zona, c'est bien, mais suivant l'endroit où il se positionne, c'est de regarder quelle zone est concernée et donc quelle cause émotionnelle est à aller travailler. Et ça, effectivement, je pense qu'on a tendance un petit peu à l'oublier et à ne traiter que la surface. Donc, pour le coup, la personne revient, j'allais dire, 2 mois après avec le même zona. Donc, c'est hyper important d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, dans le zona, il y a déjà un état inflammatoire. Donc, on sait déjà que c'est lié à de la colère. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour la partie magnétisme. On va aller chercher les causes. On va aller travailler sur le soin, la compréhension et toute la partie technique après avec les passes, les passes magnétiques, etc. Voilà. On fait un atelier aussi guide et chemin de vie où on voit les différents types de guides, les différentes missions de vie et comment on les reconnaît, comment on la trouve, qu'est-ce qui fait qu'on passe par certaines étapes pour trouver cette mission de vie. Donc ça, je sais qu'on l'a programmé prochainement. Je vais pas dire de bêtises, mais sur le site, hein, de toute façon, DF événement, Oui, les il y a gens tout sur le peuvent site, trouver. hein, de Hein, toute il y a façon. tout sur le site. Donc voilà, dans les ateliers qu'on Mais tu les donnes propose. où, tes ateliers, alors? Et sur toute la France, en Belgique, et il Ah, y en aura d'accord. également au Québec en fin d'année. On Ah sera oui. au Québec en fin d'année, voilà. Donc, D'accord. c'est vrai on va avoir un planning un peu Ah chargé oui, cette ça va année. être bien, Mais là. bon, mais c'est Donc, cool. Mais c'est cool, au moins, d'accord. j'aurai pas trop chaud au Québec. Oui, c'est ça, exactement. J'aurai pas trop C'est chaud au Québec. sûr. Donc, chemin de vie, Mais hein, donc voilà, c'est ça. Hein. voilà, guide et chemin de Guide vie. de bien, voilà. Et puis, on fait également l'atelier perception extrasensorielle. Donc, l'atelier perception extrasensorielle où on travaille sur les capacités, donc la psychométrie, la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie, la Oh, communication ça c'est bien animale. Donc, pour on va moi, travailler ça sur tous m'intéresse. ces points. Et Ah oui. on l'a fait à Rouen, hein, vraiment, et ça a Ah, t'aurais dû cartonné. m'attendre, David, merde quand même. Mais on va le Ah, refaire parce qu'on a des demandes, hein. ah Franck, d'accord. je fais un gros bisou à Franck à la librairie du Lotus, Ah oui, vraiment. Franck, oui, J'ai une plus grand. grosse pensée pour Franck, vraiment, et Laurette aussi, que je n'oublie pas, évidemment, qui est à la librairie aussi. Et vraiment, j'allais dire, c'est ça qui est fort, c'est que les gens,
se découvre effectivement certaines capacités. Parce qu'en fait, on démarre par un exercice en psychométrie qui est assez simple. Et puis juste après, on fait la douche froide avec l'exercice le plus difficile avec des enveloppes. Et c'est assez super fun parce que les gens disent oh, mais Ah je ne capte plus rien. Oui. Et je leur dis, mais c'est juste oui. pour vous faire accepter que vous ne puissiez pas tout, entre guillemets, réussir. Parce qu'on ne peut pas tout réussir. Non. Et je lui dis, un médium ne voit pas tout, un médium ne sait pas tout. Essaye de l'accepter. D'accord. De mais alors, David, excuse-moi, c'est juste une question, là, parce que est-ce que oui. tu penses que, pour moi, bon, tu sais que je ne vois pas du tout, hein, étant non-voyant, oui. ça serait accessible ou non, pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient vraiment trop visuelles? Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait du tout, du tout. D'accord. Ce ne serait surtout pas visuel, justement, et tu aurais peut-être plus de capacité dans le ressenti, puisqu'effectivement, le fait de ne pas avoir les yeux pour travailler va te permettre de ne pas être influencé, par exemple, pour la, par une photo, parce que certains décortiquent la photo et me font de la morphopsycho, et je leur dis, OK, oui. alors je dis aux gens, amenez une photo presque contraire à la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui était joyeux, prenez une photo, il fait la gueule. D'accord. Comme ça, c'est génial. Et si la personne fait de la psychométrie, elle va complètement se planter. Ah ouais, non, ça m'intéresse ça de découvrir c'est très, aussi. C'est un peu vicieux hein, comme principe. Hein. Oui, oui, oui. Mais, oui. Mais ça permet effectivement de ne pas être trompé et de prendre vraiment la perception. Parce que la perception, elle est innée, elle arrive tout de suite. Et on travaille sur les photos de lieux, on travaille sur les photos de comment ils s'appellent, d'animaux, etc., etc. Et c'est intéressant parce que je dis aux gens, de toute façon, pour certains, je dis, gardez les yeux fermés, vous allez avoir plus de résultats. D'accord. Donc, tu vois, la Donc vue, je peux y aller. Il n'y a aucun ouais. intérêt. Voilà, aucun souci pour ça, Michael. D'accord. Mais c'est bien, ça. Ah, merci beaucoup. Hein. Bah, ça m'intéresse. Mais avec, hein. mais avec plaisir. Et puis, le dernier atelier qu'on fait, enfin, que j'ai délégué maintenant à Vincent, c'est l'atelier tarot, puisqu'en fait, il y a 8 ans, j'ai canalisé une méthode de tarot avec le tarot de Marseille, qu'on appelle la quête spirituelle du tarot, qui correspond à l'incarnation d'une vie. Et on utilise les 22 arcanes majeurs pour, entre guillemets, travailler. Et ce qui est drôle, c'est que la méthode fonctionne. On va la faire éditer également. On l'a déposée, on va la faire éditer. Avec les 22 arcanes majeurs, on est capable, en une journée, de pratiquer le tarot de Marseille. On l'a fait à Metz. On a eu 2 groupes de 15 personnes. Et en fait, il y a des gens qui étaient là, qui faisaient 30 ans de tarot, qui ont dit, mais attends, on galère depuis 30 ans avec le tarot. Et là, en 3h30, on a appris à pratiquer le tarot et à répondre à des questions. Et c'est très perturbant parce que, on prend une personne dans l'assemblée qu'on ne connaît pas et on dit, bah, si tu veux, tiens, viens, t'es le cobaye. Et la personne s'installe, je dis, OK, donc on se connaît pas et je prends le jeu et simplement avec le jeu, la personne me regarde et j'ai déjà cerné sa problématique. Elle me dit, non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai dit, je n'ai fait que lire les cartes. Je n'ai fait que lire les cartes. Et c'est hyper simple. Et donc, les gens sur la journée, ils font 3 heures à 3 heures et demie de théorie et 3 heures de pratique. Et c'est absolument génial parce qu'on les fait changer en binôme. Et d'un binôme à l'autre, quand ils changent, bah, en fait, ils ont les mêmes cartes qui sortent. Et je leur ai dit, rassurez-vous, le tarot ne vous mentira pas. S'il y a un truc que je sais, c'est que le tarot vous mentira pas. Votre tête peut interpréter de différentes manières, mais le tarot, lui, ne mentira pas. Ah oui, c'est bien ça. Donc D'accord. ça, c'est absolument génial. Oui, et oui, et oui, ça, on va oui. le proposer bah, justement en Bretagne, on va le proposer à Strasbourg, on va le proposer, voilà. On bouge beaucoup. Hein, c'est ce que j'allais te dire. J'allais Belgique, oui, c'est ça, quoi. On bouge, hein, on bouge. Hein, là en fin juin, je suis au Domaine des Arts, à Blanc, là, près de Castres. Voilà, on fait là, toute la France. On est à La Rochelle fin juin. On remonte après en Bretagne, on va aller du côté de Lorient. D'ailleurs, je serai avec Geneviève Delpech à Lorient le 5 juillet, pardon, 5 juillet, Omega CGR de l'Annester. Voilà, donc on va, voilà, on bouge. Ouais, on c'est bien, pas. C'est bien, tant mieux. Parce que, puis en plus, des ateliers comme ça, c'est varié, quoi. C'est pas toujours la même chose. C'est ça qui est intéressant c'est aussi pour c'est toi ça. En tant et que aime, et pour les personnes. Et puis on aime rencontrer les gens. Voilà. C'est ce que je dis. Là, le festival, ça a été un bonheur. On a pu échanger avec les gens, on a pu partager. Alors certes, on se retrouvait en plus entre amis et puis il y a eu des belles rencontres. Mais il y a aussi les gens qu'on rencontre, qui ont lu le bouquin ou qui nous ont vus dans les émissions et avec qui on échange, avec qui on prend un café, avec qui oui. on peut discuter. Mmh. Et ça aussi, c'est important parce c'est que on a le retour du public. Parce que ça aussi, c'est important. On fait oui, pas les choses oui. pour nous, hein. On les fait pour le public et ça, c'est hyper. Enfin, bah, pour là, moi, le but, c'est ça. C'est quoi. Aussi le respect, quoi. Oui, oui, oui. Ah, il y a des respect messages chances, aussi sur le chat encore. Il y a Fred, toujours là, Fred. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Oui, mon Fred. Fred qui dit « Je travaille de manière semblable en magnétisme de cause à effet. » Ben oui. C'est hyper important, je sais, mon Fred. Et tu fais du bon boulot. Je peux dire que tu fais du bon boulot, mon Fred. Ah, alors, il y a Jean-Yves qui dit « Merci pour ton bouquin, l'émission est top et du coup, j'ai acheté le livre sur la FNAC. »
Ah, bah Bien, voilà, tu vois. Ah, bien, bah c'est voilà. bien, tu vois. Et David, t'as Voilà. bien fait, t'es pas venu pour rien non plus, finalement. Il y a quelqu'un qui l'a déjà commandé. C'est C'est ça, mais bien, c'est quoi. bien, c'est bien, C'est c'est bien, bien, c'est c'est bien. bien. Alors, surtout, les amis, ne l'achetez pas sur Amazon. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, Ah, vas-y, mais tiens, ça faites vivre, m'intéresse. faites vivre, faites vivre les libraires. Faites vivre les libraires, Ah, s'il mais vous plaît. oui, je J'ai plein comprends. d'amis libraires. Moi, je travaille avec le réseau Aleph, Association des librairies ésotériques de France, et faites vivre les libraires, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, parce qu'Amazon, ils sont gentils, mais ils font commander des stocks en quantité, ils font imprimer des livres aux imprimeurs, ils les mettent de côté, et après, ils renvoient et tout part au pilon. Ah, je savais Et pas vraiment, ça. faites vivre les libraires, s'il vous C'est plaît. Vraiment, dégueulasse qu'ils font c'est, ça. mais oui, c'est dégueulasse. Et alors, je sais qu'Amazon, bah, s'ils veulent me virer de leur réseau, je m'en fous, je m'en tape. Mais faites vivre les libraires, faites vivre les librairies, allez auprès de chez vous, faites Oui. vivre les libraires qui sont là, parce que le jour où on n'aura plus de libraires, il n'y aura plus qu'Amazon, et Amazon, il va augmenter les prix, vous verrez comment ça va se passer. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cet unique client. Faites vivre les libraires, allez les voir, allez les rencontrer. Voilà, allez rencontrer les auteurs dans les librairies, c'est super, super important, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est ça quoi. Et une pensée à Mais Bernard Pivot, qui a fait pendant des années un travail oui. remarquable pour mettre en avant les auteurs, vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait du bon boulot, faut le dire. Ah, il a fait un sacré C'est boulot, sûr, vraiment, c'est vraiment. sûr. Un Mais alors, grand homme, attends, un tes grand homme, livres ouais. aussi, ils sont en numérique, on est d'accord aussi. On peut les trouver aussi Alors, en il y numérique. a des livres en format numérique. Alors, chez JMG, les livres sont en format numérique. Chez Larousse, je Oui. ne sais pas s'il est déjà proposé au format numérique. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr de D'accord. ça. Non, Il ce que faudrait je que je te demande, c'est qu'il y a vérifie. beaucoup de gens qui aiment bien sur une liseuse et tout, tu vois, donc ça peut être Tout pas à fait, mal. tout à fait, tout à fait. Mais on peut aussi les commander. Ouais, c'est, voilà. D'accord. Mais surtout, Bon. ça, c'est auprès directement de l'éditeur. Hein, ça se fait Oui, directement oui. auprès de l'éditeur. Mais vraiment, pour les formats papier, s'il vous plaît, vraiment, allez voir les libraires. Vous avez certainement un libraire à côté de chez vous qui peut vous commander le livre. Et même si on attend 48 heures, il n'y a rien de grave. Mais les libraires, ils ont besoin de vous parce que aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Les marges sont de plus en plus réduites. Le livre commence à augmenter de plus en plus. Et il est important aujourd'hui que les libraires puissent exister parce qu'ils sont les diffuseurs de la culture, les diffuseurs des auteurs. Et alors, ça fait un peu coup de gueule à Jean-Pierre Koff, mais voilà, moi, je trouve ça extrêmement important de faire exister les libraires aujourd'hui, vraiment. Moi, je suis d'accord. Alors, petite parenthèse, si tu permets, David, s'il y a une Bien auditrice sûr. ou un auditeur qui serait d'accord pour me lire les livres de David, bien sûr, en audio, parce que je le répète, hein, ils ne sont pas en audio, malheureusement, tous ces livres de spiritualité, il y a du boulot à faire de ce côté-là, Ouais, vraiment. oh oui, Il y a oh beaucoup, oui. beaucoup de boulot. Donc, si une personne veut me lire les livres de David, sauf le dernier, bien sûr, parce qu'on en parle ce soir, donc c'est Caroline qui me l'a lu gentiment, ça fait plaisir. Mais sinon, hein, David, c'est vrai que ça serait bien, parce que. De ce côté-là, voilà quoi, il On faut a demander. un gros boulot à faire et on est en train aussi, dans nos conférences, d'essayer de voir s'il est possible d'avoir un interprète en langue des signes également, de façon à pouvoir proposer aussi. Pour les gens qui sont Mais c'est sourds, vrai, c'est important. des conférences, parce que en fait, quand nous faisons des conférences, bah le public sourd et malentendant est aussi mis de côté. Donc, il serait bien Je à suis la d'accord. fois pour les personnes aveugles, pour les personnes sourdes et malentendantes, de Oui. pouvoir aussi assister à des conférences. Et pour ça, effectivement, d'avoir quelqu'un en langue des signes, d'avoir effectivement la possibilité de pouvoir avoir peut-être des casques audio ou des choses, voilà. Qui puisse aussi retraduire, par exemple, s'il y a un diagramme qui est projeté sur un écran, bah que dans le casque audio, pour la personne, elle puisse avoir les explications de ce diagramme. Et je trouve ça extrêmement important parce que effectivement, on met de côté une catégorie de personnes et je trouve ça pas bien, vraiment, vraiment. Ben merci, oui, c'est pour ça que je le dis souvent hein, dans les émissions, parce que ça manque des lectrices ou des lecteurs, enfin voilà. C'est Bien pareil, sûr. tu vois, David, par exemple, pour des livres où il y a des graphiques, je sais pas, un livre sur les qui parlerait Eh des oui. runes, par exemple, mais c'est pas Ben évident oui, d'expliquer on concrètement, est quoi. d'accord, on est d'accord, parce que c'est difficile d'expliquer, de dire, alors Ben là, c'est oui. un chevron entrelacé, C'est enfin, ça, quoi. c'est super difficile. Et j'allais dire, encore plus peut-être de le traduire en braille, Ah bah c'est j'imagine même que pas la ça doit être peine, extrêmement, non, extrêmement compliqué, c'est parce trop que, compliqué. voilà, c'est un symbole, on n'est plus dans des lettres, C'est on est dans ça. un symbole. Et ça, c'est très compliqué C'est de le sûr. Puis prévoir. ça prendrait trop de place en plus. Oui, je pense que Donc ce serait oui. compliqué de le mettre en place. Alors après, peut-être, je ne sais pas comment c'est chez les Chinois avec les pictogrammes, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les personnes non-voyantes en Chine avec les pictogrammes, mais peut-être que ça pourrait être pensé. Je ne sais pas, je Je ne sais sais pas, pas, mais c'est…
C'est C'est vrai que peut-être quelque l'audio, chose à réfléchir. c'est bien l'audio parce que c'est pas que pour les non-voyants. Maintenant, faut le dire, il y a plein de gens qui Bien voient, qui sûr. sont à fond, qui écoutent dans leur Ouais. voiture ou autre. Tout Donc, à fait, même tout les à maisons fait. d'édition s'y retrouveraient. C'est ça qu'elles n'ont pas compris. Donc, faut, voilà, c'est important, quoi. Aussi, il y a quelque chose à faire. Alors après, c'est ce que je dis, hein, c'est un studio, c'est des montages. Oui, effectivement, Oui, mais ça, en même temps, évidemment, oui. le résultat, effectivement, il est là, quoi. Et C'est ça peut être ça. super intéressant, quoi. Ça peut être super intéressant. Voilà. Alors, merci David, hein, parce que ouais, au moins Mais je t'en c'est prie. bien, tu es quelqu'un d'ouvert à tout ça aussi, ça fait plaisir de la Ben, c'est ce qu'on sensibilité, quoi. essaye, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est-à-dire d'ouvrir au maximum de personnes, Oui. d'élargir le public, et puis surtout d'essayer de permettre à tous d'avoir accès à ces informations. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Sur les manifestations qu'on organise, c'est extrêmement important pour nous. On est d'accord. Oui. Je sais pas s'il y a d'autres messages ou non, Alors, sinon, il oui. y a Sorine qui te dit à Michael, ça y est, je continue de mieux m'équiper pour l'enregistrement audio des livres, j'avance et je te tiens au Ah, courant. c'est sympa, ça, c'est Excellent, merci sympa. Merci Sorine. Sorine. Ah, mais Merci non, mais je Sorine, sais que merci Sorine beaucoup. aussi, elle est vraiment hyper. Enfin, je veux dire, elle a une sensibilité aussi. Tu vois, son. Eh oui, eh Voilà, oui. ça fait plaisir, vraiment. Ah, C'est Sorine, tu super vois, important, quoi. merci. Ouais, Alors, bah, il on y a va y arriver. Freddy qui Oui. demande, il dit souvent quand ma poitrine est genre compressée, cardiologue consulté négatif, il y a un décès ou autre chose, y a-t-il une explication? Ouais, effectivement, c'est possible qu'on vous ait préparé à recevoir une information qui touche au niveau du chakra du cœur. C'est tout à fait possible. Alors après, attention aussi à la partie émotion, stress, anxiété. Parce que si vous êtes hypersensible, je vous envoie vers le livre Les hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigan. Effectivement, faut faire attention. On peut avoir, moi je sais que dans ma sensibilité, des fois j'ai des oppressions dans la poitrine, etc. Quand j'ai connu le stress lors du burn-out, c'était ça, hein. Et j'ai été faire, parce que j'avais aussi et les vertiges et les oppressions à la poitrine, et j'ai fait des examens cardiaques, rien, j'ai fait un IRM cérébral, rien. Donc voilà, il faut faire très attention parce que le stress joue beaucoup. Donc dans notre hypersensibilité, on peut aussi être perturbé par tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc on peut avoir une espèce de pressentiment qui est lié à la clairconnaissance et qui vient se traduire effectivement au niveau du chakra du cœur. D'accord, merci. Tout à fait possible, tout à fait possible. Tu sais, je voulais savoir, quand tu as découvert ta médiumnité au tout début, quels sont les premiers livres vraiment que tu as lus qui t'ont parlé? Les livres vraiment de base que tu as aimés, quoi. Ah, waouh. Je sais pas si tu te souviens. J'ai beaucoup lu Allan Kardec parce que Ah ouais, j'étais moi très aussi, intéressé. pareil. Et puis j'avais quelqu'un qui avait une édition originale dans ma famille. Donc c'était quand Ah, c'est même bien ça. très cool Ah ouais. d'avoir une édition originale, voilà, non retouchée. Oui, c'est ça. Et après, je me suis intéressé effectivement à différents médiums. J'ai lu différents livres de médiums. J'ai lu aussi les livres de Raymond Réan. Parce que j'avais aussi besoin de comprendre certaines choses, parce que c'est vrai que moi, c'est revenu quand même suite à une expérience de mort imminente en 2011, Oui. donc tout m'est revenu en plein visage, et vraiment, ça n'a pas été simple, ouais, ça n'a pas été simple, et donc j'avais besoin de comprendre, ouais, j'avais vraiment besoin de comprendre. Ah, mais c'est bien, tu vois, parce que c'est d'avoir des bases aussi, quoi. D'essayer de comprendre. Et puis C'est moi, ça. c'est vrai que comme je dis, j'ai quand même une formation scientifique de base. À la base, je voulais être vétérinaire et effectivement, j'avais besoin de comprendre, de rationaliser les choses. Et c'est pour ça que je dis que j'aime expérimenter. Je crois pas, j'aime expérimenter. On se retrouve beaucoup avec Laurent Jacosta dessus Oui. parce que je ne crois pas à tout. J'aime expérimenter. Et je trouve que chacun doit pouvoir expérimenter pour avoir ses propres réponses. Il n'y a pas une vérité, il y a celle qui nous correspond. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre que ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre par rapport à notre histoire, donc notre histoire personnelle, à la fois sur le plan transgénérationnel, mais aussi de notre incarnation, de notre propre expérience, donc pas celle de nos parents ou de nos ancêtres. Mais il y a aussi ce qu'on est capable de ressentir à travers, par exemple, je parle des hypersensibles spirituels. De nos propres ressentis par rapport au lieu, aux gens, par Oui. rapport à nos propres émotions aussi. Il y a tout ça en fait qui nous paramètre. Et c'est vrai, quand on est justement pas aligné, tout à l'heure on parlait de protection dans l'alignement avec Fabienne et Sorine, Oui. et j'allais dire, je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est d'être capable de se dire, bah oui, si je suis pas aligné, j'ai un gros, gros risque
de tomber, de pas être là et de me perdre, et de me perdre aussi, et de me perdre, C'est c'est pour ça que horrible. j'ai toujours gardé votre sens critique, la logique, quoi. Exactement, exactement. Et expérimenter, garder du Voilà, oui. discernement, regardez si ça résonne vraiment en vous, si vous êtes OK avec ça. Parce qu'il y a certainement des propos dans la soirée qui n'ont pas résonné dans ce que j'ai dit chez certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Parce qu'effectivement, on est tous différents. C'est ça. Et chacun va expérimenter dans son niveau de conscience. Il n'y a pas une seule vérité. Il y a celle que vous expérimentez, il y a celle qui vous correspond vraiment, quoi. Puis aussi, même en tant que médium, j'imagine ne pas tout prendre comme ça, comme une vérité, comme argent comptant, parce que tu as des entités Oui. ou des esprits qui peuvent se faire passer pour d'autres. Après, c'est Ah une question oui, de ça arrive. ressenti, mais ça aussi, Ça c'est arrive. important. Ça arrive, Ça oui. arrive, tu vois, on parlait de Gainsbourg tout à l'heure. Moi, Oui. quand j'ai eu Gainsbourg, je me suis dit, ouais, c'est une grosse connerie, quoi. Il y en a C'est un qui ça, vient se quoi. jouer de moi, quoi. Ah ouais, J'ai je dit, non, c'est une comprends. connerie, quoi. Et non, c'était pas le cas, quoi. Mais ça aurait Non. pu arriver, hein. Ça aurait Mais pu c'est arriver. énergétique, ça se ressent, hein. C'est un C'est ça. ressenti, tout Bah, de toute façon, on simplement. sent que c'est faux. Moi, je sais quand Oui. il y a un truc qui est erroné. Je vois au festival, c'était lundi, en séance de médiumnité lundi, il y a une dame, j'avais un monsieur qui s'appelait Roger, puis je désigne l'endroit. Oui. Et la personne me dit, ah, bah, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais non, je lui dis non. Elle me dit, ah, mais si, si, je dis non, c'est pour la dame devant. Et la dame devant répondait pas. D'accord. Et je dis, mais si, Tu le c'est sens pas comme pour vous, ça. c'est, bah, en fait, je savais que c'était pas pour elle. Et Oui. quand la dame devant a dit, ben oui, effectivement, voilà, j'ai bien Roger qui est décédé, comme vous l'avez dit et tout. Et là, j'ai eu le frisson dans le dos, je dis, ok, là, c'est pour vous. Et je suis d'accord avec ça. Parce que je savais que c'était pas pour l'autre dame qui était derrière. J'avais zéro doute vis-à-vis de ça, quoi. Non, mais ça me parle ce que tu dis. Vraiment, on merci t'entend pour toutes tes plus. explications, hein, Ok. David. Moi, ça me parle vraiment tout ça et ça reste dans le bon sens, dans la logique. Enfin, voilà, quoi. On C'est bien. essaye d'être le plus carré possible. Après, je dis pas, hein, on est pas faillible, hein. On est faillible, pardon. On est faillible. Et il faut pas oublier que nous ne sommes que des canaux avec nos forces, nos faiblesses, notre part d'humanité, et qu'il faut justement rester très humble face à ça. Vraiment, c'est hyper important. Oui, et pas prendre la grosse tête non plus, quoi. Non, ça C'est sert à rien. important, Ça hein. sert à rien. C'est pas. Et puis, si on fait ça, on se perd, hein. Ah, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup que je vois se perdre. Et je dis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que il y a un côté starisation et je dis, attention les amis, C'est ça. attention. Vous allez dans le mur les amis, attention. On est d'accord. Donc ne pas se C'est ça. perdre et savoir rester à sa place. Oui. Tu pourrais donner ton site internet, David, parce que tu en as un aussi pour les Oui, auditeurs qui veulent. tout à fait. Donc c'est www.df comme David Fontaine, Oui. le petit tiret du 6, événement avec un S. Com, voilà, et il y a toutes les infos de conférences, d'ateliers, de dédicaces, et puis il y aura la page média, puisque je mettrai le podcast aussi voilà, sur le site, évidemment. D'accord. Oh ben merci, c'est bien comme ça. Voilà, bah non, mais c'est bien Je pense que. de partager aussi, Ouais, c'est important. c'est important, Les ouais. pages médias, les pages médias, C'est sûr. Bah vraiment. là, je pense qu'il Il y a une y a une question à Marie, question. une dernière question là. Marie, oui. Oui, Marie. Donc elle demande si tu as une technique d'alignement et d'ancrage. Oui, j'utilise en fait beaucoup la respiration pour m'amener dans le moment présent, donc une forme de cohérence cardiaque. Et je visualise en fait que mes pieds sont vraiment ne font qu'un avec le sol. Et j'ai été chercher en fait l'image du mycélium, c'est-à-dire le mycélium, c'est ce qui relie en fait tous les êtres de la nature, les plantes, les arbres dans une forêt, et ce qu'on appelle le good vibe web. Et j'ai été chercher cette image et je visualise que mes pieds, un peu comme dans Avatar, vous savez, quand Aiwa relie un petit peu tous les êtres vivants. Bah en fait, j'ai utilisé cette image de racine lumineuse que j'ai sous les pieds quand je pose mes pieds au sol et que je mets l'intention, effectivement, je me connecte à tout ça. Et je peux être pieds nus ou pas, peu importe, mais je visualise ça. Ça me permet de m'aligner, de m'ancrer et de sentir que je suis à la fois relié à la Terre dans cette harmonie et aussi à l'univers dans un parfait équilibre. Donc, je pose l'intention avant de le faire. Voilà. Toujours l'intention. Toujours l'intention, encore une fois. Voilà. Je crois que c'est la clé, c'est vraiment l'intention, la visualisation et l'intention. Oui, c'est important. C'est la clé. David, merci beaucoup, hein, vraiment Un d'avoir grand merci passé une belle à soirée avec nous. Caroline et à Ouais. toi, Mickaël. Vraiment, Merci. merci à tous les deux.
Merci à Avec tous ceux qui ont plaisir. assisté à l'émission. C'était Vraiment, top, c'était vraiment bien. C'était un bonheur, vraiment, de partager ce moment avec vous. C'est et, gentil. Et merci de votre invitation. Et puis, avec grand plaisir pour se rencontrer à Rouen. Ah oui, 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 bien grand, sûr. Grand, grand plaisir, vraiment. Et puis, quand tu veux, la radio du Lotus, ça y est, hein, tu peux venir quand tu as envie. Tu fais une émission. Avec plaisir. Et puis, on tient, avec, comme on a dit avec Sorine et Fabienne, faire une émission ensemble, hein, bien sûr. Ouais, ça va être chouette. Bon. Ça voilà, va être chouette. Voilà, ça c'est bien. Donc, n'hésitez pas. On va passer pas. Un bon moment. Merci à tous. Si vous voulez, bien sûr, écouter tous nos podcasts, il y en a exactement 884, donc bon courage, il y a plein d'émissions, si vous avez envie, voilà. Vous pouvez les trouver sur, bien sûr, Deezer, Spotify, Google Podcast, toutes les plateformes, sur la radio du Lotus, Regard Ésotérique, là vous allez trouver toutes les émissions, donc n'hésitez pas, hein. Il y a la page Facebook de la radio du Lotus, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et puis si vous voulez nous donner un coup de pouce, voilà, faire vivre la radio, eh bien merci d'avance, il y a le lien PayPal sur la page, sur les vidéos et je vous remercie par avance. Et encore une fois, bonne nuit à tous et David, vraiment merci, merci pour cette soirée, vraiment. Un grand merci à vous merci. Et puis passez une douce nuit, vraiment. À bientôt. Bonne nuit. À bientôt. Merci voilà. À tous. Au revoir. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.